see stereophonic sound for the home is recorded on two separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on two separate systems, the sounds are blended together. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live, le 60e live sur la chaîne Barbatronic. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une agréable semaine, que certains sont en vacances, peut-être pour deux semaines, une semaine, je ne sais plus. En tout cas, ça fait plaisir de vous revoir. Salut Pierrot 3578, bienvenue à toi. Et puis, écoutez, on va commencer tout de suite avec le petit récap de la semaine, et puis on enchaîne après sur le live. C'est parti. Alors attendez, on va se mettre un petit peu de musique pour démarrer. Musique. Voilà, un petit peu de musique tranquille. Allez, c'est parti. Alors je pense que ce soir tout le monde a les yeux rivés sur le Z-Event. Et je vais te commencer par ça, tiens, puisque vous avez vu, salut GG2B, vous avez peut-être vu, si vous êtes sur Twitter, si vous suivez des lives sur Twitch, etc., que il y a un événement qui s'appelle le Z-Event, qui est organisé par Zerator depuis quelques années, et qui permet de faire des dons au profit de certaines structures. Cette année, c'est Amnesty International. Salut Mr. Friday, salut Bobby Co. Et donc je ne suis pas un streamer Z-Event, hein, bien évidemment, mais comme c'est plutôt cool ce qu'ils font, et que vraiment, enfin, c'est assez fou d'avoir ce genre d'événement en France et qui récolte autant de dons en 50 heures. Et ben écoutez, je vous ai mis, alors déjà, vous voyez, attendez, là c'est toujours un peu compliqué, là j'ai changé le truc de ma cagnotte pour la cagnotte du Z-Event, qui est passé de 2 millions à 4 millions, oui, c'est les vrais chiffres, c'est complètement fou. Et en dessous, vous avez un lien vers le Z-Event, si vous cliquez dessus, vous pouvez faire un don directement. Donc voilà, donc ce soir, si jamais vous avez quelque chose à faire en termes de dons, je préfère que ça aille là-bas plutôt que chez moi. Voilà pour le petit news là-dessus. C'est ouf, la somme qu'ils arrivent à faire, c'est vraiment ouf. Alors, c'est tellement ouf que j'ai fait un screenshot pour dire que j'avais fait ce truc-là. Ça marquait 2 millions et quelques. Et moi, comme un lapin de 3 semaines, j'ai mis goal 3 millions. Le temps de le publier, ils avaient déjà passé le 3 millions. Donc, ça va très, très vite. Et du coup, c'est vraiment cool d'avoir ce genre de choses-là en France, et puis que ça fonctionne à ce point-là. Bref, on va pas revenir là-dessus, on reviendra, on va suivre ça, parce que ça va se terminer ce soir, pendant le live, parce que généralement, ça se termine à minuit. Donc on va voir s'il dépasse les 5 millions. Bref, allez, on se met sur le récap. Salut Nicolas Le Petit. Alors, petit récap de la semaine. La semaine dernière, on a fait les pièces sous FreeCAD pour pouvoir mettre les capteurs de gestion de bordure et les roulements. Je les ai imprimés et ça fonctionne super bien. Je vais pouvoir vous le montrer directement ici à côté de moi, parce que j'ai le robot à côté de moi. En tout cas, c'était vraiment, ça a super bien fonctionné. J'ai même pas eu besoin de les modifier, donc vraiment cool quoi. Bonsoir Ram. Bonsoir, je passe un peu avant de retourner voir le CDN. Regardera le live en redis. Pas de soucis, je comprends. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Atelier. J'ai entendu dire que s'il dépasse 5 millions, il pousse un peu plus. Oui, j'ai compris ça aussi, ouais. Il pousse genre vers une, jusqu'à 1h du matin ou quelque chose comme ça. Ça serait cool. Voilà, donc les pièces, elles sont là. Vous voyez. Et donc, on voit bien, hop, les roulements qui sont en dessous, là. Voilà, et le capteur qui vient se fixer ici, et puis j'ai la même chose de l'autre côté. Donc, du coup, c'est vraiment, ça fonctionne super bien, ça protège super bien, et j'ai refait la plaque inférieure, voilà, pour qu'elle englobe cette partie-là. Alors la plaque, elle est en jaune, hein, parce que c'était les chutes qu'on avait, mais ça sera pas du jaune, ça sera refait... en noir, je pense. Je vais essayer de voir ce qu'il me reste en acrylique. En tout cas, vraiment, le résultat est plutôt cool. Je suis assez satisfait de moi sur ce que ça a donné comme première vraie pièce, en fait, sur FreeCAD pour le robot, parce que je n'avais pas encore utilisé directement sur le robot. Et ce soir, on va recommencer, parce que j'ai encore d'autres pièces à faire. Allez, hop, je remonte. Ouais. Comment ça va être de toutes les couleurs ton robot? Exactement, salut Alf, comment ça va? Ce que je disais, c'est que justement, je vais changer cette couleur-là. C'était une chute pour pouvoir tester, et je suis assez content de moi. Je trouve que ça manque d'orange. Faudrait que je rajoute encore de l'orange.
plus d'oranges. Et on revient sur le récap vite fait. Bon, du coup, ça m'a permis aussi de... On avait fait le branchement, vous vous souvenez des capteurs, donc je les ai branchés. Je les ai... Orange mécanique. Oh, ça serait un joli nom pour... comment pour un robot. Donc on a fait les essais avec les maths balises, et donc du coup j'ai dû recoder un petit peu ce qu'on faisait l'année dernière, et ça fonctionne plutôt pas trop mal, j'ai plutôt bon résultat. Donc vous voyez là sur la vidéo voilà, il évite, il voit la balise, et quand elle est dans son champ de vision et qu'il avance vers cette balise là, il la détecte, il s'arrête, et là je suis en train de reprendre le code pour pouvoir justement gérer un tout petit peu mieux ces events là, et en tout cas voilà, ça fonctionne, et je suis très satisfait de ça. Ben, il va falloir, il va enfin avoir son petit nom. J'en ai deux, hein. Donc il faut trouver des noms qui vont pour les deux. Enfin, faut voir. on verra ce qui. Si vous trouvez des noms, moi je suis preneur. Quoi d'autre? Il y a eu une nouvelle vidéo de Monsieur Bidouille. N'hésitez pas à aller la voir sur l'énergie et combien on consomme avec Internet, la télé, le téléphone, qu'est-ce qu'on peut y faire, etc. Plutôt une base de réflexion, c'est super intéressant. Donc n'hésitez pas à aller Orange Mécanique et Orage Magnétique. Oh, ah oui. Oui, pas mal, c'est assez rigolo. Donc ouais, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Monsieur Bidouille, c'est plutôt, enfin c'est toujours très très cool hein, ce qu'il fait, de toute façon il n'y a aucun problème avec ça. Ouais, petite news bricolage, parce que du coup j'avance un petit peu sur le bureau et puis de l'autre côté. Sur la laser, j'avais mon tube qui sortait par le garage, donc maintenant, hop, il y a un trou, ça arrive directement au cul de la laser, vous voyez. Directement là, c'est un peu flou. mais du coup, voilà, du coup j'ai une sortie directe à l'arrière. On a fait ça tout à l'heure, enfin ce matin là. Et ça va me permettre d'avoir un peu plus chaud quand je fais la découpeuse laser, parce que là le froid arrive. Et j'ai plus trop envie d'ouvrir la porte pour pouvoir faire de la découpeuse laser. Ce qui va me permettre aussi d'installer derrière, de long du mur, tout un tuyau avec une cage d'écureuil ou je sais pas quoi, pour aspirer un peu plus fort les vapeurs et les rejeter. Du coup ça va améliorer un tout petit peu le fonctionnement et éviter qu'il y ait des odeurs ici. Ça sera pas plus mal. De robots, de mots orange et mécanique. Oui, oui, on peut faire ça aussi, ouais. J'avoue, c'est un grand même sacrement de chip, c'était vrai. Salut Binaris, salut Rosaline, salut Historicon, salut Julien, je crois que je t'ai pas salué au début. Donc voilà, et bon, il n'y a pas grand chose à dire d'autre, j'en ai parlé tout à l'heure, vous avez la cagnotte du Z-Event qui est à droite, à gauche, là-bas. Et du coup, j'ai changé mes liens sur le dessous pour la cagnotte, donc si vous cliquez dessus, ça va directement sur la cagnotte du Z-Event pour les aider directement. N'hésitez pas à donner... pour Amnesty International. Il est où le lien pour contribuer à la cagnotte de Barba aux Z-Event? En dessous. À la cagnotte de Barba aux Z-Event. Non, alors, j'ai pas... j'ai pas de cagnotte. C'est la cagnotte globale, ça veut dire que ça renvoie directement. Je pense que c'est la cagnotte de Zerator, à mon avis. Parce que c'est celle du site. Salut, programmateur. Salut, Rigalto. Déjà 4 millions. Ouais, déjà 4 millions, ouais. Ça a été super vite. Bon, c'est Twitch Things ici. Attends, qu'est-ce que t'as mis pour arriver? Salut Alex, c'est ici le live Mangus. Non. On veut Barba au prochain Z-Event. Ah bah ça, il n'y a que vous pour pousser le truc, mais j'y crois pas trop à mon avis. On veut des donation goals. Écoute, je ferai pas comme... qu'est-ce qui a fait ça? C'est Momanu qui a fait ça. Où il a dit, si je dépasse les 100 000, je rase la barbe, je garde la moustache. Je ferai pas ça. Je vais pas m'engager. Fais attention, t'es en live. Oui, je sais. Du coup, je ne m'engage sur rien du tout. Voilà. Pour 5K, tu participes à la Coupe de France de robotique. Ah, c'est un bon truc. ça pourrait être une bonne, un bon goal. Facile à obtenir. Bon, allez. Trêve de plaisanterie, maintenant on va passer au sujet du live. Bonsoir monsieur le mi-chinois, bonsoir monsieur monsieur le client, salut Kamikaze, salut Trajectory 54, tu gagnes la Coupe de France de robotique. Ah, c'est pareil, ça c'est pas... Je pense pas que ce soit à vous de le décider. Ce serait trop facile, ce serait beaucoup trop facile. Bon, allez,
On va se lancer. Ah ouais, carrément, quoi. J'organise la coupe. Ah oui, on est sur un gros niveau, quoi. Salut JC Gros Pixel. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu ce soir? Alors, en fait, l'idée que j'ai. Cette escalade. C'est clair, pour un million, tu participes à un robot. Qu'est-ce que tu as contre juste la moustache? Je suis un merde du montant. Non, mais pour moi, je m'en fous. La moustache, ça va à beaucoup de gens. Je sais que la moustache, ça ne me va pas. Donc, je vais pas dire que je vais avoir une moustache. Ce serait pas gentil pour vous. Ah oui, si. Tiens, ceux qui avaient commandé des t-shirts ou des mugs, etc. Moi, j'ai reçu mon t-shirt. Donc, ça a mis une semaine à arriver. J'ai pas encore reçu les mugs donc sur la boutique. Donc voilà, moi je m'étais pris le t-shirt de The Caribou. Franchement, je sais pas si vous avez reçu les vôtres, mais le flocage, il a l'air vraiment cool. Il a l'air de bien tenir. Donc je suis assez satisfait. Et le t-shirt, il a l'air de très très bonne qualité. Alors je vous dirai quand j'aurai reçu les mugs, mais là pour le coup, les t-shirts sont vraiment vraiment bien quoi. Non, bah c'est. Ah moi j'ai pensé à toi ce soir, mon tiroir a compensé d'être tombé la nuit dernière, tout est bien. Oh non! Ah ouais, non, ça c'est la tristesse. C'est la tristesse. De toute façon, il existe une règle d'or, on ne touche pas à la barbe. On est d'accord. On est d'accord. J'ai oublié le mug meilleur papa. Il existe encore, il existe encore. J'ai d'autres idées, mais j'attends un petit peu avant de les mettre. Ça servira à rien. Puis j'aimerais bien les recevoir pour voir un petit peu ce que ça donne en termes de qualité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le coup, les t-shirts, je suis assez satisfait. Il y a un petit côté satiné sur le t-shirt. Franchement, ça a l'air d'être la bonne qualité, quoi, pour le coup. Bref, allez, on se lance dessus. Tac, je vais lancer Fricade. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais faire ce soir dans ce stream. En fait, l'idée, c'est de tester une fonctionnalité de FreeCAD qui permet en fait de faire des configurations de pièces. L'idée, en fait, c'est que quand vous lancez, je vais créer une pièce par exemple. D'accord. Voilà. Dans le modèle ici, vous voyez, il y a des données. Voilà. Et il y a la possibilité en fait de créer des configurations avec des menus déroulants pour pouvoir faire pièces de type A, type B, type C, etc. et de tout mettre dans un tableau. Ce qui permet en fait de générer des pièces très facilement en changeant en fait un certain nombre comment dire, de caractéristiques, mais d'un coup. Voilà. C'est-à-dire que par exemple, on va faire une pièce de type, enfin, je sais pas, le plus simple c'est de se dire. Vous avez des roulements, par exemple, voilà, et ben vous allez mettre plusieurs noms de roulements avec les caractéristiques de ces roulements, c'est-à-dire diamètre intérieur, diamètre extérieur, épaisseur, je sais pas moi, plein d'autres trucs. Vous allez remplir votre tableau comme ça va vous créer une liste déroulante de tous ces paramètres-là, et ces paramètres-là, vous allez les mettre dans une esquisse, et automatiquement, vous allez pouvoir les changer, donc du coup, de générer des pièces très rapidement comme ça. Donc, l'idée que j'ai, c'est de tester ça parce que c'est FreeCAD France qui a fait un live là-dessus la semaine dernière et ça me semble hyper intéressant à utiliser, donc j'ai envie de le tester un petit peu ce soir. Et du coup, j'ai envie, pour l'utiliser, de le tester sur une pièce de notre robot, pièce qu'on utilise assez souvent, c'est des supports de servomoteur. Et comme on a plusieurs types de servomoteurs chez nous, bah, essayer de faire un fichier global qui nous permette de générer plusieurs supports. Voilà, donc du coup l'idée, ça va être ça de ce soir, ça va être de tester ce genre de choses-là, et puis de voir un peu ce que ça donne, quoi, de voir si effectivement c'est fonctionnel ou pas. Enfin, bref, on verra. Salut Rixan, du coup tu t'y fais africaine. Bah écoute, ça va, franchement, pour l'instant, pour ce que je fais, jusque-là maintenant, ça marche plutôt bien. Et hier j'ai commencé à utiliser KiCad aussi, mais pas très longtemps, et c'est quelqu'un qui m'a formé un petit peu vite fait sur KiCad, en tout cas pour le démarrage. Et franchement, je suis très très agréablement surpris par ce que propose aussi KiCad dans son fonctionnement. Donc, pour l'instant, on teste FreeCAD en live, mais je pense qu'il y a un moment où je partirai sur KiCad. Donc, KiCad, pour ceux qui ne savent pas, c'est un logiciel pour pouvoir faire des cartes électroniques. Voilà. Donc, du coup, et qui est complémentaire aussi un peu de FreeCAD, parce qu'il y a possibilité de générer du 3D et de l'envoyer dans FreeCAD. Un peu comme avec Eagle et avec Fusion. Donc, du coup, l'idée, c'est de retrouver un petit peu ces petits entre tous ces logiciels.
Bien pour KiCad, très bon choix. Tu travailles sur KiCad, Binaris? Oui, Pierrot, en fait, c'est pour remplacer à terme Eagle. Parce que j'ai plus aucun intérêt à garder Eagle, étant donné que je quitte au fur et à mesure Fusion, en fait. Donc, le passage sur KiCad est logique, au final. Oui, pour le boulot. Ok. Alors, du coup, on va tester ça. On va se tester un petit truc. Alors, on va créer une nouvelle esquisse. On va d'abord faire des essais avant de, comment dire, de se lancer dans la vraie pièce. Alors, on va créer une esquisse un peu à la con. Genre, je sais pas moi. Voilà, on va prendre un carré. Faire un trou au milieu. On va centrer ce trou. Hop, voilà. Et l'idée, c'est qu'on va avoir un paramètre qui va être largeur, profondeur, hauteur, plus diamètre du trou. Voilà. On va garder ces trois paramètres-là. Donc on va fermer ça. Et on va... on va faire une protrusion. Une hauteur de 10, on touche à rien, on laisse comme ça, voilà. Donc ça, on va essayer d'en faire un truc configurable, on va voir ce que ça peut donner. Je pourrais travailler sur Altium à distance, mais il faut que je me forme, et je suis un peu... Aïe, tendu au niveau plateforme, planning c'est ancien. Altium, c'est aussi un gros morceau, quoi. C'est les fonctions de tous les champs contenant... Oui, c'est ça, en fait, je sais pas si c'est une question, Forceman, mais oui, exactement, c'est-à-dire que si tu prends une dimension, par exemple, je sais pas, moi, je vais au côté ça, si je clique sur fonction, je vais pouvoir mettre une fonction, et effectivement, on va utiliser ça, mais pour le moment, on va pas le faire, parce que j'ai pas encore mon tableau, je veux juste essayer, en fait, un peu, voir comment ça fonctionne, parce que les fonctions, on les a déjà utilisées, mais le paramétrage, la configuration, ça, pour le coup, on l'a jamais fait. Tu pourrais modéliser ce fameux roulement que tu ne trouves nulle part. Je dis ça totalement au pif. Oui, je pourrais, mais pour un fichier de configuration, ce serait pas forcément très intéressant. Bon, oui, on... Bon, oui, attendez, on va faire l'essai comme ça, mais oui, avec le roulement, ça pourrait marcher exactement pareil, pour le coup. Et je l'ai trouvé, hein, finalement, en plus, ce roulement. Alors, du coup, on va aller dans Spreadsheet. On va créer une nouvelle spreadsheet. Donc là, on va la mettre dedans. Ouais, déjà dedans. Impeccable. On va l'ouvrir. Et alors, du coup, l'idée, je pense que ici, c'est... On va mettre le type. Voilà. On va mettre la configuration. Configuration. Voilà. Et on a dit qu'on avait... le paramètre de diamètre, voilà, on avait la profondeur, la largeur, oh, on va plutôt mettre la hauteur du coup, oula, hauteur, largeur, longueur, longueur, mais enfin, ok, donc là on va par exemple mettre type A, type B, donc je refais un petit peu ce que j'avais compris, type C, donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir les lives de FreeCAD France, malheureusement ils sont, je sais pas s'ils les rediffusent derrière sur sa chaîne YouTube, faudrait que je regarde. Et donc là on va mettre des valeurs pour ces trois types. Alors on va commencer par les largeurs longueurs, donc là par exemple ça va être un carré de 20, alors on va mettre 20 mm. Voilà. Par 20 mm. Bon, quoi qu'il y ait, attendez. Voilà. On est au pif. Hein. On est au pif au mètre. Là, on va incrémenter de 10. 40 mm. Et là, on va mettre un truc à la con. Genre, je sais pas moi, 45 par 60. Ah! Voilà, donc là on a un petit tableau, on va rajouter les hauteurs, donc là on va mettre 10, fichtre, millimètres, j'oublie toujours qu'il faut rajouter les millimètres, sinon ça va pas marcher, 20 mm, 30 mm, voilà, donc ça c'est notre tableau, et le diamètre normalement, alors faut pas que je me plante pour avoir un truc qui fonctionne, donc on va mettre 5 mm,
On va l'incrémenter pas grand chose pour éviter de... Ouais, allez. Voilà. Donc ça, mettons que c'est notre pièce, et que cette pièce, elle peut prendre trois types, je suppose, ça peut être n'importe quoi. Type A, type B, type C. Et alors, de mémoire, je crois que c'est là-dedans, c'est Configuration Table. Voilà. Donc là, il me dit de A2 à E2. Ok. Property, ça va être type. Et le groupe, on va l'appeler configuration. Voilà. Ok. Vous voyez, déjà là, hop, il vient me mettre ce truc-là. Il vient me créer une liste déroulante. Et quand je vais sélectionner sur cette liste déroulante, j'ai bien mes diamètres, mes hauteurs et tout ça qui change à ces niveaux-là. Du coup, ici, je peux mettre un alias. En mettant diamètre, voilà, ici on va mettre AU pour hauteur, là largeur et là longueur. Ok, on va repasser ici et maintenant on va repartir sur le sketch. On va pouvoir ici utiliser les fonctions. Jusque là, je me souviens bien de comment ça fonctionne. Point, alors ça va être notre longueur. Voilà, longueur, ok. Ok, voilà. Ensuite, on va faire la même chose là-dessus. Alors non, pardon. Spreadsheet.largeur. Ok. Et on va faire la même chose avec le diamètre. Alors par contre, sélectionner la cotation de diamètre. Fonction. Spreadsheet.diamètre. Voilà. Ok, ok. Donc là, hop, on a notre esquisse qui est passée en verte, donc ça veut dire qu'elle est complètement contrainte. Et maintenant, hop, on ferme, et tout ça s'est remis à jour. Jusque-là, tout va bien. Le pad, on va lui changer aussi sa hauteur, donc on va lui dire que c'est... Parce que du coup, on l'a, hein. Spreadsheet pour hauteur. Voilà. Ok. Voilà, 10 millimètres... 20 millimètres... Oui, c'est normal, ouais. Et maintenant, regardez, si je vais là-dedans, je dois avoir... Alors, est-ce que c'est dans la vue? Parce que normalement, j'ai le configurateur qui est là. Alors, par contre... Ah ouais, voilà, c'est bon. C'est dans... Alors, c'est si je vais là-dedans, type A, type B... Si je change et que je mets type A, ma pièce elle s'est bien changée. Par contre, pourquoi je ne l'ai pas là-dedans? Lens, sketch, pen, refine. Donc ça marche, mais pas complètement comme je voudrais. Je pense que je vais aussi mettre African. Ah bah écoute. En plus, si t'es déjà sur KiCad, ça va être hyper intéressant. Sélection, puis combiné. Alors, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas fait. Parce que là, il y a bien la configuration et le type qui va bien. Je me demande si c'est parce que j'ai pas créé mon... si j'ai créé ma spreadsheet avant mon pad, ça fait ça. Ah, ma spreadsheet, elle est pas dans mon body. Donc ça fait pas ce que je veux. Attendez, on va réessayer un truc. Alors je découvre un peu comme vous. Hein. Je vais créer une... Faut pas que je crée une pièce. Si c'est possible qu'il faut que je crée une pièce. On va fermer celle-là. Je vais pas en tenir compte. Ici, on va créer une pièce, voilà. Et dans cette pièce, on va glisser le spreadsheet, le body, voilà. Et là, non, toujours pas. Alors, il y a un truc que j'ai mal fait. Parce que normalement, si on clique sur le part, on devrait avoir le type. Ah bah si, type.
Alors, attendez. Type. Pourquoi groupe? Tiens, c'est marrant ça. On va faire un end setup. On va le resetup. Pourquoi ZZ2? Alors. C'est bien type. On est un groupe configuration. Ok. Ah, il apparaît bien là. Pourquoi il apparaît pas là? Je pense qu'il va falloir qu'on revoie un petit peu le live de FreeCAD France pour voir comment il a fait. Alors, parce que là en fait ça marche, mais ça marche pas comme je voudrais. Alors, ce qu'on va faire, hop, on va aller sur Twitch. Oui, sinon, attendez. Voilà. Ok. Alors, juste le début. Je ne sais pas s'il a pas créé une. Non, il a d'abord créé sa pièce. Je veux voir son arbre. Il a body. Et dans body, il a spreadsheet. Et c'est ça qui va pas, en fait. Ok. Donc, c'est un peu ce que je craignais. Donc, on va en refaire un. Ok, je comprends maintenant comment ça marche. Là, je vous dis, c'est la découverte, là. On crée un body. On crée un spreadsheet. Qu'on met dans le body. Bah, pourquoi? Comment il arrive à faire ça, lui? C'est fou ça. Ouais, mais c'est ça. Non, non, lui, il a bien créé une part et c'est dans sa part. S'il passe par ici, je dis pas non. À recomprendre comment il a fait. Alors, il est bien dans sa part, il a bien son spreadsheet dans la part. Le body, ça c'est chiant, à chaque fois que tu cliques sur le body, ça revient. Pourquoi ça ne marche pas? Ouais. On a bien ça. J'ai bien mes trucs, j'ai bien mes alias. Ah! Ah, j'ai compris. Ok, j'ai compris. Ça, c'est ma part. Et si je fais ça. Ah oui. Ok. Part. Point. Pour lui dire, hey, moi, je veux que tu ailles sur un truc. Configuration. Non, mais type, du coup. Ah oui, alors par contre, type, tu vas pas aimer parce que tu connais déjà. Configuration. Et là, si je mets OK, maintenant, il va m'en... Voilà, c'est bon, c'est là. OK, cool. On l'a. Et donc, du coup, si je mets type B, voilà, super. Ça se met à jour. Type C. Voilà, nickel. Nickel. Bah, c'est cool, ça. Ça marche super bien. Hop. Ok, c'est ça que j'avais pas compris, c'était le point par point machin. Donc on met tout dedans. Écoute-moi ça pour t'ambiancer. Mon dieu. Salut Lucilien.
Cilien. Ah oui, si. Cilien. Cilienne. Bienvenue à toi. Du coup, c'est parce que tu... Ah oui, mais alors par contre, je suis pas sûr que ce soit... que j'ai le droit de le diffuser après. C'est gentil, mais le problème, c'est que j'ai quelques soucis après avec les... Hey, bah bienvenue du coup, Isiliani, ah c'est pour ça, je le vois pas, je le vois mal affiché. Est-ce que c'est free tout ça, qu'on a le droit de le diffuser? Parce que tu sais, derrière Twitch et YouTube, ils sont souvent bien bien la violence avec ça. Bon, maintenant qu'on a fait ça, c'est plutôt cool. Moi je vous propose de peut-être essayer Vive la SACEM. Ouais, c'est ça, ouais. Même avant la SACEM, tu sais, t'as Google et tout le monde qui te gueule dessus, donc c'est toujours le coup près de la démo. Même pas, tu vois, Twitch, ouais, si, en soi, si. Enfin bon, c'est pas pour ce que je gagne. Non, il y a des droits. Ah, tu vois. Le gros souci de la diffusion de la musique sur des Twitch comme ça. Alors qu'en vrai, tu vois, tu sais pas pour ce que tu gagnes en monétisation sur ces plateformes-là. C'est un peu aberrant. Bref. Alors nous, notre truc là, ça marche. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de faire un essai avec une pièce un peu plus complexe. Et puis, de voir si on peut essayer de faire quelque chose de plus... Si ça bug pas quand on a quelque chose de plus chiant à paramétrer. En théorie, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais ça va être intéressant. J'ai débarqué juste après le début du live, c'est donc la version de Real Thunder que tu utilises. Oui. Alors, oui, c'est ça. Oui, je vais dire quelque chose, mais en fait, non. Il n'y a rien à traduire. C'est la version de Real Thunder. Donc, on va y arriver. Ce qu'on va faire, c'est que je vais sortir toutes mes couleurs de l'arc-en-ciel. Avec mes crayons de couleur, et on va se dessiner vite fait, enfin peut-être pas tant vite fait que ça, parce qu'il va falloir que ce soit assez précis, les plans et ce qu'on voudrait refabriquer, et puis on essaye de se le faire en version paramétrique et en version configurable. Du coup, on passe sur la partie atelier. Oui, je vous conseille d'ailleurs d'utiliser la partie de... Les crayons... Comment dire, la version de Real Thunder qui est vraiment très très bien et qui intègre bien la partie assemblage. Alors, il me faut des trucs. Oh là là, il y a des vieux machins dessus. Hein. Ceux qui suivent les lives régulièrement. Ça ne marche pas. Bon. Allez, c'est parti. Effaçage du tableau. T'as combien d'ardoises? Beaucoup trop. Celle-là, c'est mon ardoise live. Mais après, pour mes autres projets, j'ai plein de petits bloc-notes. Parce que du coup, comme je les trinque-balle entre plusieurs endroits, c'est plus pratique que l'ardoise. Support de PCB, exactement, Pierrot. C'est exactement ça. Support de PCB, le premier projet, mais qui n'a pas encore abouti sur FreeCAD, nous permettait de tester un petit peu le logiciel et puis de voir un peu ce qu'on pouvait en attendre. Et entre temps, j'y ai repensé à ce truc-là. Je le referai un peu différemment parce que bon, forcément, je connaissais pas suffisamment le logiciel, donc j'ai fait des choix discutables, dirons-nous. Ah voilà, un beau tableau bien blanc. Wouhou! C'est pas con une ardoise, je vais te piquer l'idée pour les lives. Mais c'est super hein, les ardoises, hein, en vrai. Pourquoi ça fuit ça? C'est terrible ça. Donc, maintenant qu'on a ça, on a nos crayons de couleur. Tu as fait avec ce que tu avais à ce moment-là, c'est ça.
Exactement. Et le support pour le ventilo du fer à souder, oui, qui est toujours là, qui n'est toujours pas, qui prend la poussière. Il faut absolument qu'on fasse ça. Alors, on va se prendre un servomoteur. De quoi mesurer. Plusieurs servomoteurs, même. Voilà, donc on a cette version-là, cette version-là. On a. Ces versions-là. Et je dois avoir une autre version aussi. Mais à mon avis, je pense qu'en termes de distance, ils sont un peu similaires. Donc j'ai ça, ça, ça et ça. L'idée du coup, c'est de faire un support qui serait compatible avec ces quatre types de servomoteurs qu'on utilise. Je pense que ça, c'est à peu près cohérent. Ah, ça sort pas de la même manière. Mais je me dis que déjà, il va y avoir des soucis. C'est-à-dire qu'en termes de comment dire, de taille et de configuration, on en a certains qui ont, enlevez ça, quatre trous de fixation, et ceux-là en ont que deux. Donc déjà, ça va être un petit peu un problème. Tu as plus d'idées que temps pour tout réaliser, un peu comme nous tous. C'est exactement ça. Exactement. Et si vous saviez tous les trucs auxquels je pense et que je dis même pas pendant les lives, ça doit être. Il y a de quoi remplir quelques to-do quand même. Ok, donc déjà, il va y avoir quelques. Je vois quelques petits trucs qui vont être un petit peu compliqués géométriquement à générer. Quoique, non, on peut s'amuser. On va pouvoir s'amuser un peu. On va pouvoir s'amuser un peu. Bon, alors je laisse ça de côté. Est-ce que j'ai quand même vous montrer le support que je comptais utiliser? Alors, il faut que je trouve dans ma boîte de pièces. Je sais pas s'il y en a, j'en ai là. Mon Dieu. Comment ça? Non, je ne jette pas mes pièces, même quand ça rate. Ah, je vais pas en avoir. Bon, sinon, je vous montre à côté. Bon, tant pis. C'est pas grave. Quelques pièces. Non, parce que j'en ai d'autres dans mon garage. Ça c'est juste de cette année, ça. Alors, c'est pas grave. Je vais vous le montrer sur le robot directement. Voilà, après, donc tu finis ce que tu commences, ça va. Ah oui. Bah j'essaye. Alors en fait, c'est le support qui est là. Non mais je vais vous les monter de toute façon. Hop. Voilà. Donc moi c'est le support en noir là que je veux refaire en paramétrique pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que bah déjà j'ai pas la version, j'ai plus la version paramétrique sous Fusion parce que c'est une vieille, un vieux truc qu'on a passé en step de plusieurs logiciels en plusieurs logiciels, donc c'est une vieille pièce qu'on utilise encore et que je voudrais remettre un peu au goût du jour. Deuxième chose, c'est que tous les trous qui sont faits là, j'utilisais pas d'insert à l'époque et donc du coup je suis obligé de mettre des écrous et c'est genre trop chiant à installer et donc je voudrais refaire une pièce pour pouvoir plutôt utiliser des inserts. Surtout que là il y a trois points et donc du coup pour visser cette vis-là, je suis obligé d'utiliser une vis fraisée et de visser d'abord le support puis ensuite le servomoteur, donc du coup c'est chiant. Donc pareil, je voudrais tout repasser. En insert
Et puis, il y a quelques petites optimisations à faire en impression sur cette pièce-là. Donc, je vais la remettre, je vais la remonter. On va la garder à côté comme modèle. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que on va d'abord faire une pièce en impression 3D configurable avec ce système-là. Et ensuite, on fera en sorte de pouvoir mettre une plaque en acrylique générée pour pouvoir se visser sur les rails de mes carbim, avec une possibilité pour le visser sur les côtés, sur ce côté-là ou sur ce côté-là, et avec un dégagement plus ou moins grand pour pouvoir après faire des déports, un peu comme ce que j'ai fait là, parce que ce truc-là, on le réutilise par exemple dans ce robot-là trois fois. Il est utilisé ici aussi, ici aussi, ici aussi, et du coup, pour pouvoir l'utiliser potentiellement avec d'autres servomoteurs assez facilement. Donc réaliser quelque chose de très très réutilisable pour des maker beam et pour nos robots. Voilà, vous avez l'idée complète. Le régulateur à gauche. Alors c'est un régulateur à découplage, mais de bagnole. Non, ça fait partie. Bah tiens, t'es resté là toi. Ça fait partie des trucs qu'il faut que je change sur la prochaine version de l'électronique. Parce que clairement, il prend beaucoup de place. Pas du tout à découpage. Il prend beaucoup de place. Alors il chauffe pas trop, hein, mais il fonctionne très bien. Ça fait des années qu'on utilise ça. Mais juste, il prend beaucoup de place, quoi. Et il est juste utilisé pour les actionneurs, en fait. Comme ça, on a un régulateur pour les actionneurs. Et c'est celui-là. Mais l'avantage, c'est qu'il prend beaucoup de courant. Et il coûte pas cher, quoi. Donc c'est vrai que c'est efficace, quoi. Oui, des couleurs. Alors, comment, parce que là c'est compliqué, on est quand même sur un projet qui est pas très complexe, mais qu'il faut penser bien en amont, parce que si on le pense pas correctement, après quand on va se lancer dans la CAO, clairement ça va pas marcher, quoi. Merci Ray le Cascadeur, bienvenue à toi. Donc, par quoi on va commencer? En fait, il faut réfléchir à comment on va le concevoir. Et ensuite, à comment on va le configurer. Je pense que, à mon avis, cette semaine, on va pas le refaire de la lampe dans l'ardoise trop cool. Cette semaine, je suis en réflexion, mais j'ai rapproché mes lampes. Alors, j'espère que ça va. Mais la caméra a fait sa mise au point, donc c'est pas plus mal. On va faire les deux cas. Ici, on va faire le cas avec 4 vis de fixation, et ici avec 2 vis de fixation. Ah, ça va être intéressant. Alors, le cas avec 4 vis, globalement, j'ai 4 trous. Ici, et là, je vais avoir que 2 trous. Ok. Mon servomoteur, je vais pas le dessiner. Parce que la première chose à faire, c'est de faire les montants pour pouvoir fixer les servomoteurs. Donc ça veut dire que là, je vais le dessiner. Je vais essayer de le dessiner en même temps en 3D pour les deux. Sachant que de l'autre côté, ce sera pareil. Voilà. Donc ça, c'est première étape. Ensuite, deuxième étape. Une fois qu'on a cette esquisse-là, ça va être de tirer cette esquisse d'une certaine profondeur. Voilà. Donc là, ça, je ne l'ai pas. Moi aussi, je peux le faire à côté. Mais... voilà. Avec les perçages dedans. Ok. Bon. Pareil ici, hein, je vais pas le refaire à chaque fois. C'est ici le fait que le mec qui fait des dominos. Ah, oh, bien joué.
J'ai pas suivi, tu conçois quoi? Je reconçois nos blocs pour maintenir nos servomoteurs et pouvoir les fixer derrière à des maker beams. En fait, c'est des blocs qu'on utilise un peu partout. À chaque fois qu'on utilise un servomoteur, on utilise ces blocs-là. Mais ils sont conçus que pour ces servomoteurs-là. Et j'ai plus le fichier. Et je voulais modifier des trucs en plus sur ce fichier-là. Donc, je vais le concevoir pour celui-ci, mais je vais le rendre compatible pour les trois, les quatre types de servomoteurs qu'on utilise, en fait. Ah bah merci Pierrot, t'avais répondu. Exactement. Mais du coup, comme c'est configurable, j'essaie de bien y penser. Donc, avant, je... Est-ce que je reprends le même principe qu'avant? Oui. Non. On va faire quelque chose de plus court. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est juste pour pouvoir fixer mon servomoteur. Ensuite, il y a une plaque sur ce servo, en dessous. Voilà. Qui est ici. On peut peut-être faire sur la... Peut-être pas la première fois, mais la deuxième fois. Alors là, il y a peut-être déjà des choses un peu standards à mettre en termes de cotation. Attendez, on va finir quand même. Donc ça, c'est toute la plaque de la longueur du cerveau. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut déjà, c'est les diamètres. Donc ça va être... où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre ici. Notre premier paramètre, c'est le diamètre. Les trous. Alors, il va y avoir plusieurs diamètres. Il va y avoir le diamètre de fixation des servomoteurs et le diamètre de fixation sur la plaque. Donc, on va mettre diamètre servo. Voilà. Ensuite, il va y avoir, a priori, celle-ci. Donc, ça, c'est... On va peut-être mettre des références. Ça ira plus vite. Donc ça c'est A. Et ça va être B. B c'est largeur cerveau. Voilà. Ensuite on a la hauteur cerveau. C'est... Donc vous voyez bien que si je fais pas ça avant de passer en CAO et en 3D, c'est impossible que je fasse quelque chose sans me planter. Il y a un truc aussi qui est important là, c'est le nombre de trous. Donc c'est la répétition en fait. Donc je peux pas vraiment le noter là, mais c'est D, c'est nombre de trous pour fixer le cerveau. Voilà. Ça c'est important aussi. Ça veut dire que les trous, je vais devoir les faire dans un deuxième temps. Information importante. Je peux pas les faire d'un coup. Ça va être une autre esquisse, je pense. Que ce soit facile à faire. Voilà. Voilà. Ça c'est esquisse numéro 2. A priori. Bon, on va pas mettre le numéro d'esquisse, mais en tout cas, ça sera une esquisse séparée. Juste le garder en tête. Alors, on recommence, on reprend sur notre truc là. Maintenant, on a ça. Voilà. Et qui continue derrière. Voilà, ça c'est notre support. Non, il faut faire la profondeur du cerveau. Alors la profondeur cerveau, on va la prendre on va la prendre entre là et là. Donc on va avoir pas mal de paramètres. Hein.
On va lui mettre son petit nom. Et là, on est à E. E. Ok. Pourquoi je mets pas la profondeur avec à partir de là? C'est parce qu'en fait, le servomoteur, lui, il se fixe devant. Il vient s'insérer comme ça. Donc pour à mesurer, ça sera déjà plus simple. Et après, on va avoir des... On va avoir déjà aussi des paramètres d'épaisseur de base et d'épaisseur de fixation. Donc, ça, j'appelle ça ma base. Donc, ça, c'est F. Ouais, F, allez. C'est l'épaisseur de base. De la base. Et là, ici, j'ai... C'est l'épaisseur de la fixation. Parce que, autant sur ceux-là, je vais pouvoir utiliser des vis M3 avec des inserts. Donc ça veut dire que ça y aura la taille des inserts. Autant sur ceux-là, je ne pourrais pas utiliser des vis M3, ce sera des vis à plastique. Et donc du coup, beaucoup plus petites. Donc, il faudra qu'on change. Ok. Donc la pièce, elle est même pas encore terminée, que c'est déjà un peu le bazar. Notre pièce, je reprends le vert. J'aurais pas dû. J'ai dessiné trop bas le 3D. Voilà, donc là, on en est là. Voilà. Tac tac. Et alors sur mon système, en fait ma plaque d'avant, elle faisait ça. Elle allait un peu plus loin. Devant. Donc il y a ce petit truc là. Donc ici. Voilà. Donc des diamètres de perçage différents aussi. Oui, exactement. Donc A, en fait, ce sera un diamètre à paramétrer, du coup, en fonction du type de cerveau. Je reprends mon bleu. C'est pas le même bleu. C'est pas le même bleu. Voilà. Et donc ça, c'est là. Ça, c'est encore autre chose. E, c'était quoi? C'était profondeur cerveau. Et voilà. On va avoir H. Et H, ça va être... Ah non, mais pas de soucis, Pierrot, je t'en prie. Ça va être la hauteur totale du cerveau. Jusqu'au palonnier, en fait, jusqu'à la base du palonnier. Le problème, c'est que j'ai déjà un truc qui s'appelle hauteur cerveau. Donc j'ai B, largeur, C, hauteur. Ce sera profondeur cerveau, mais profondeur cerveau, c'est déjà là. Et ben là, c'est pas profondeur, c'est profondeur fixation cerveau. Fixe cerveau. Et là, ça va être profondeur cerveau. Prof. Cerveau. Ok. On va y arriver. Et maintenant qu'on a fait ça, en théorie, je mettais sur les côtés. Je menais... la pièce telle qu'elle est conçue hein, aujourd'hui fait attendez je, conçois un peu. Je vais essayer de vous la redessiner comme elle est. Voilà, elle fait ça et elle part ici avec un chanfrein. Voilà, clac clac, voilà. Et la même chose de l'autre côté. Est-ce que c'est une bonne idée, ça? Est-ce qu'on doit le garder? Alors, je pense qu'on peut le garder. C'est pas mal. Mais ça, à part avoir l'épaisseur ici... Il n'y a pas grand-chose d'autre à paramétrer, quoi.
faire un homme cinéma avec des grosses meufs. C'est ça. C'est exactement ça. Hop. Là j'en suis un H. Ce sera I. Oups. I. Et ça c'est l'épaisseur des... Comment on appelle ça? On va appeler ça les ailettes. Allez. Épaisseur L. Nickel. Et maintenant, normalement ça c'était fixé avec 3 vis. Donc, je vous remonte hein, ici. C'est fixé avec 1, 2, 3 vis. Il manque pas les entraxes et perçages plus position par rapport au bord. Si, si, si. Et ça, je vais les mettre à la fin, je pense. En théorie, effectivement, il manque... il manque cette distance-là. Effectivement, on va considérer que c'est centré. Et il manque... Là, comme quoi... Il manque ça, aussi. On va les mettre tout de suite. Ça, ça va être J. Donc, anthrax, cerveau, et ici, K. Alors, le problème, c'est que K, il va dépendre du nombre de trous du cerveau. En fait, K, il est valable uniquement sur une configuration avec deux trous. Je sais pas trop ce que ça va donner, ça, d'ailleurs. On va voir, on va le mettre et puis on verra comment on s'arrange avec ça. Réfléchissons. C'est bien K qu'il faut. Ouais, c'est ça. Et ben, ça sera anthrax. Là, je vais mettre fixation cerveau. Et ça, ça sera anthrax. Ouais, j'aime pas trop. Ça peut-être changer les noms. En tout cas, ils sont là. Il manque le nombre de trous aussi, du coup. Ouais, nombre de trous ici. Nombre de trous cerveau. D. Tu as des trous dans le cerveau. Si tu savais. Si tu savais. Pas de soucis, Julien. Tu vois, je pense que même moi, je vais m'y perdre un petit peu. Il y a quand même pas mal de paramètres. Et on n'a pas encore fait les trois trous qui permettent de le fixer, à savoir... Alors avant, c'était, j'en mettais trois. Et j'en mettais un ici et un là. Je pense que pour les petits servomoteurs, ça sert à rien d'en mettre trois. Ça fait beaucoup. Je me demande si on va pas... Est-ce qu'on décide ça tout de suite? Si, si, il faut qu'on décide ça tout de suite. Bon, alors déjà... Déjà les diamètres de ces trous-là, qui sont forcément différents. Alors ça, ça va être qu'à L. L qui va être le diamètre des trous de fixation. Donc diamètre trou base. Voilà. Pour la répétition K, il pose problème. Tu peux utiliser une cote qui positionne les seconds perçages en dehors de la pièce. Ah! Et il va pas faire chier le fait que je perce dans rien? Ah, c'est pas con ça. Bien vu, Pyram. Ouais, tu considères que ça, c'est comme ça, mais plus... plus petit, et en fait tu fais ton trou plus haut quoi. Ouais, si on n'y arrive pas avec la répétition, parce qu'on va faire une répétition de 1, je suis pas sûr que FreeCAD va accepter, parce que je sais que des fois dans Fusion ça merdouille un peu, et ben on le fera avec, effectivement t'as raison, avec un perçage dans le vent quoi, avec une épaisseur à la con, enfin un K à la con pour ces variantes là. Ouais, pas bête, pas bête. C'est une bonne idée, ça. Très bonne idée.
Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Tiens, j'ai eu ce débat il y a pas longtemps. Autant pour moi, c'est plus français. Oh non, non, ouais, stop. Alors, regardez la vidéo de de Linguisticae sur autant pour moi avec les deux orthographes. Vous allez voir qu'il y a aucune des deux orthographes qui est plus légitime qu'une autre. Les deux sont quasiment valables, et la seule qui pourrait perdurer, c'est juste celle qu'on utilise le plus. Voilà. Voilà, je vais pas... voilà. Moi, j'utilise autant pour moi avec autant A-U-T-A-N-T, mais y a pas de souci, y a pas de c'est plus français parce que l'Académie française... Ah non, non, ça c'est des conneries. Allez voir la vidéo de Linguisticae, il explique ça bien mieux que tout ça, quoi. Exactement, les deux se disent. Une histoire, le temps montrera que j'avais tort. Ah oui, du coup, autant. Oui, 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 il y a ça aussi. Oui. Oui, c'est ce qu'on dit. Pas de souci, pas de souci. Mais voilà, parce que je pas de gramma nazi, attention, sur mon chat. Voilà. Comme le Covid ou la Covid. Hein. On va se calmer avec ça. Hein. Sert à rien de se poser ces questions-là. Bon, alors, on a bien L qui est le diamètre des trous de base. Le problème, c'est que quand on va faire les... Eh ben, on peut réutiliser le même principe. C'est-à-dire qu'on peut dire que ces deux trous-là, ils sont toujours présents. Et celui-là, il est uniquement présent sur... Ah, c'est même encore pire que ça. C'est que sur la grosse version, on pourrait même en mettre 4. Il n'y en a pas. Je vois pas de quoi tu parles. Je vois pas de quoi tu parles. Ça, je l'entoure et je vais mettre un gros on sait pas. Bon, et ben je pense qu'on a tout. Est-ce que vous voyez des trucs qui manquent à part cette histoire de trou là? Parce que avant de décider ce qu'on va faire là, je voudrais d'abord vérifier que ce qu'on veut faire ici ça fonctionne. On dit la fusion 360. G, F... Bah écoutez, je pense que c'est bon, hein. Bon, allez, c'est parti. On dit courage fuyant, c'est ça. Courage fuyant 360. Et on dit fricadelle aussi. Rapport au live de la semaine dernière. Alors. On repart sur... Donc du coup ça on peut supprimer, ça on peut fermer, on n'en a pas besoin, seulement dans le nord. On va créer une nouvelle pièce, on va la renommer tout de suite cette pièce, on va l'appeler support cerveau, voilà. Dans cette pièce on va créer directement une spreadsheet, voilà, qui est la configuration, voilà. Et dans cette pièce, on va aussi directement créer le shapeform. Ah. Yes, voilà, un body. Et je peux le renommer support. Ok. Écoutez, c'est pas mal. Ça dit un truc pendant longtemps et au final, ben non, ça fait que la moitié, donc c'est forcé. Oh là là, Julia. Maintenant, on va peut-être créer nos configurations directement. Cerveau moteur. Ouais. On va appeler ça cerveau moteur, c'est un peu bizarre. Bon. Et puis, on va se créer tous nos paramètres, quoi. Alors, on va mettre diamètre cerveau moteur, ça veut dire quoi diamètre cerveau moteur déjà? C'est pas terrible ça. Diamètre, est-ce que diamètre fixe cerveau moteur c'est déjà utilisé? Diamètre trou de base, diamètre trou cerveau moteur. Ah, salut Frican! Hello, tu vas faire un modèle configurable? Exactement!
comme je disais au début du live, j'ai suivi ton live de la semaine dernière. Et j'avais bien envie d'essayer avec un modèle configurable sur la base d'un support de servo moteur. Et donc voilà, donc on a un peu travaillé sur le modèle. Et puis bah on se lance quoi. Du coup t'arrives au bon moment. Le fricadelle. Oh là là, mon dieu. Mon dieu, vous êtes parti trop loin là. Alors, diamètre, trou, voilà. Changer ça. On va quand même mettre entre parenthèses notre F. Comme ça, on va pouvoir suivre. Donc ça, c'est B, largeur du servo moteur. Est-ce qu'on peut pas faire un truc encore plus sympa? Oh non, allez. Sinon on va jamais s'en sortir. On va jamais concevoir. B, C, du coup on a hauteur servo. D, on a nombre de trous. Je sais pas si on va utiliser ça. D, E. Profondeur fixation trou, ok. Profondeur fixe trou, voilà. F, excellent, merci. Et sur base, ils en sont à combien là le Z-Event du coup? Putain, ils vont vraiment le faire les 5 millions là? Cool. Oh, épaisseur c'est long, épaisseur fixation on va mettre partout pareil, sinon j'ai H. Il y en a beaucoup. Profondeur, j'ai déjà mis profondeur en prof. Ouais, non, ça va. Profondeur cerveau I, c'est l'épaisseur ailette. J'ai un doute sur la... On parlait de grammaire. Ailette, une... Non, c'est avec un L. Une seule... Un seul L. Ailette, ça me fait bizarre. Merde. Une ailette. Oui, ça vient de L. Un seul L. Oui, c'est bon. Mon Dieu. J. Ah oui, c'est là où on n'était pas sûr des noms. Donc c'est Anthrax. Fixation cerveau. K. Anthrax. Trou. Un seul L. Merci Pierrot. L. Diamètre. Bon, déjà là, on en a pas mal. Hein. Eh ben, il va falloir qu'on les fasse. On va falloir qu'on en fasse quelques-uns quand même, pour que ça puisse fonctionner. Je pense qu'on va essayer de faire déjà ceux à 4. Donc le MG995 et le 9805 MG. Alors, c'est parti. MG 995, voilà, et celui-là ça va être le 9805 MG, et on va pas en mettre d'autres parce que sinon si on les met à vide ça risque de faire planter notre truc. On va peut-être le sauvegarder, tiens, voilà. Alors c'est parti, donc le, quelle est la pérennité de cette version forquée de FreeCAD? Qu'est-ce que tu entends par pérennité? C'est-à-dire combien de temps tu vas pouvoir travailler dessus, ou est-ce que tes fichiers seront portables, etc. Parce que bon, après, si j'ai bien compris, de ce que j'ai suivi, tu peux passer les versions au fur et à mesure et mettre à jour sans que ça pose de problème. Hein. Alors, le diamètre des trous, c'est quoi?
Ah oui, alors ça va être, comme je mets du M3, ça va être du 4,5 parce que je travaille avec des inserts. Voilà, et pareil ici. Ah! Largeur cerveau. Alors ça c'est le B. Largeur cerveau. Attends, est-ce que je peux pas mettre? Je mets complet. Ah, très bien. Juste que le camlink. Ah, attendez. Hein. Ça met rotation. Voilà, mais vous n'allez pas voir grand chose au-dessus, en fait. Ah, si c'est mergé ou non avec la version officielle. Ah oui, ça sera pas tout de suite, effectivement. Enfin, je suis pas sûr que cette vue-là soit la meilleure du monde. Dites-moi, sinon je change. Alors là, moi j'ai 41. Vous devez pas avoir grand-chose. 41. Ensuite, je vais le faire pour la grande aussi. 65, 66. Alors, la hauteur du cerveau. Là, on commence avec des trucs. Non, ça va. C'est pas encore les trucs un peu chelous. Donc là, on a 30 pour celui-ci. C'est vraiment un cerveau gigantesque, celui-là. Et là, on a quelque chose. Oula. Alors, moi, j'ai du 19. Alors je pourrais prendre les plans qui se trouvent sur internet, mais j'ai moyen confiance parce qu'à chaque fois que j'ai fait ça, j'ai eu l'impression d'avoir des décalages trop importants par rapport au réel. Ce fork amical. C'est drôle ça. Pourquoi c'est vraiment un... Enfin, il y a un souci par rapport à ça. On va mettre autre chose, on va mettre nombre de répétitions. Du coup, là, j'ai 2. Je veux dire, il y a un souci entre la version de Real Tender et le reste, ou c'est purement une blague. Profondeur, fixation, trou. Ça, c'est le E. Au fond, ça... Ah oui, alors déjà, si je change mes trucs, heureusement que j'ai mis des lettres. Ah oui, d'accord, c'est là. Alors, 25, 26, 27. Voilà. Alors, par contre, lui, le modèle géant. Le modèle géant. Alors, 42. Tout simplement. Épaisseur de la base. Alors là, comme on va utiliser des inserts, on va mettre la hauteur des inserts, à savoir 5 mm. 5000. 5000, c'est beaucoup. Donc je reste sur la version vanilla. Bah, sauf si tu veux vraiment faire de l'assemblage avec Assembly 3, quoi. Mais sinon, la version vanilla, à part ça, elle fait... Enfin, elle fait ce qu'il faut, quoi. Pas de soucis. Il n'y a aucun problème. Au Fab Lab, on utilise les deux. Épaisseur des fixations. Alors, j'ai... Ah oui. Mais là, c'est pareil. On va mettre 5 mm. Par contre... Alors, beaucoup plus, parce que... Je vais mettre volontairement 10. Parce que j'ai l'impression que sinon ça va faire fin pour faire notre fixation. Alors la profondeur du cerveau maintenant. H. Donc ça c'est la profondeur totale. Avec. Jusqu'à la base du palonnier. Donc là j'ai 60 pour cette version là. Ouais, c'est pas très sexy. Remplir des tableurs, mais on est un peu obligé avant de faire notre 40.
avant de faire notre pièce, comme ça au moins on aura les valeurs et on pourra faire des essais directement avec la première ligne. Épaisseur des lettres, alors là on va y aller un petit peu à tâtons. Je vais mettre 4 mm dans un premier temps et puis on verra s'il faut qu'on le change par la suite. Alors l'anthraque, c'est fixation cerveau, donc je dis pas de bêtises, c'est J. C'est... D'accord, ok, c'est entre deux trous. Alors, de mémoire, ici, je crois qu'on doit être à 10, quelque chose comme ça. Yes, c'est ça. C'est 10 pour celui-là. Et là, ça doit être 20. C'est possible, 20. Non, c'est pas 20. Là, c'est 18. Comme quoi... C'est une modification relative profonde, plus les versions meilleures, c'est là, plus ça peut être compliqué de merger. Bah ouais, c'est vrai que... En fait, il y a un risque après d'avoir plus qu'une version, que les deux versions soient absolument impossibles à merger, quoi, du coup. Ce serait dommage. D'avoir deux versions du même logiciel, quasiment. Alors j'ai 49, mais ça me semble un peu étrange. Attendez. Ça me semble même très étrange. Non, si c'est ça. J'aime bien que ça soit mergé, vu quand il y a des choses. Il y a mis des trous de base. Alors là, pareil, ça va être du 3, donc 4,5 mm. Les deux trous de côté. Et on a fini pour les versions simples. C'est pas mal, ça, déjà. Super. Hop, on va sauvegarder. On repart sur... le support et puis ben on va alors je vais faire la table de configuration déjà comme ça au moins pourquoi alors là ça c'est un truc qui m'échappe ça parce que j'ai pas sauvegardé support cerveau il s'appelle bien support cerveau le label. Pourquoi je peux pas y faire appel avec support cerveau? Properties, c'est part forcément. Part point configuration. Ou part point. Je vais pas mettre de groupe. Si, je vais mettre cerveau moteur. Puis on changera après. Ok, bon. Un truc un peu étrange. Et alors là, du coup, il faut que je fasse tous les alias. Allez, on est parti. Alors, ça, c'est dia trou. Voilà. Ça, c'est large cerveau. Ça, c'est hot cerveau. MBR trou. Alors ça c'est j'ai essayé de garder la même logique ep base ep fixe prof cerveau ep l int fixe cerveau. Alors par contre, il faudrait vraiment que je vois ce que vous entendez par problème de nommage topologique. Je sais pas quel est le vrai souci pour sur ce sujet-là, en fait. Parce que quel est le problème avec la version de base? Enfin, vanilla, en fait, de mettre trop base, ouais, c'est bon, c'est ça.
on crée un corps. Alors, je vais commencer par quoi? En gros, chaque fois que tu rajoutes une arête dans un sketch, ça casse toutes les fonctions d'un aval. Oh! Oh là! Ah ouais, à ce point-là? D'accord. Ah ouais, c'est chaud. Ça, là, c'est un peu genre... Ah, mais attendez. Ah oui. Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire que ouais, quand tu remontes, tu veux faire une modification dans une esquisse. Ah, mais c'est exactement le souci que j'avais eu en... Quand est-ce que j'ai commencé? J'ai testé... Bah, c'était en 2015 ou en 2000... Ouais, c'est ça, 2015, où j'avais testé FreeCAD... Alors, je sais plus quelle version c'était à l'époque. Ça devait être la 0.18 ou un petit peu avant, peut-être. Et j'avais testé, j'étais remonté, j'avais voulu modifier mon esquisse, tout avait explosé, j'avais fait, bah non, bah c'est pas possible, quoi. Ah bon, ça m'avait un peu énervé à l'époque. Et du coup, ça vient de ce truc-là. Ok, ok. Bon, ceci dit, je peux comprendre que ce soit pas simple. Alors, comment on va se créer cette pièce? Ça en énerve plus d'un. Bah oui, tu m'étonnes, ouais. Ouais, chanfrein et congé, j'avais remarqué que c'était un petit souci. Du coup, je fais différemment maintenant. Et ouais, j'avais déjà vu que c'était un petit peu compliqué, quoi. Et ouais, c'est systématique. Mais alors, du coup, moi, comme je suis sur la version d'Unreal Tender, j'avoue que j'ai pas encore eu trop de problèmes, en fait. Donc, j'avais l'impression que c'était acquis, hein, au final. Mais si ça se trouve, pas du tout, en fait. Je sais pas trop comment commencer. Je pense que je vais commencer comment comme je l'ai dessiné. Ça me semble être une bonne idée. Allez, si on va essayer comme ça. Donc à savoir que là, on va dessiner voilà, juste cette partie-là. On va faire tout de suite la symétrie. Voilà. L'accrochage est un tout petit peu tatillon des fois, je trouve. Voilà, donc là, normalement, nickel. Ok. Entre le... Cette pièce-là et cette pièce-là. Ok, très bien. Ça et ça. J'ai théoriquement la valeur. Spreadsheet. Point. Donc c'est B. Et donc c'est largeur cerveau. Largeur cerveau. Ok. Très bien. Oh, je viens de me rendre compte d'un truc. Il nous en manque une et pas des moindres de côtes. Attendez, je vous montre ça. Juste là, j'en ai besoin. C'est la deuxième côte que je viens de faire. Je crois. Ouais, non, c'est ça. J'ai pas cette côte-là. C'est con. C'est très très con. Bon, bah, ça sera la côte M. Et c'est c'est largeur. Après, je peux mettre épaisseur. Est-ce que je mets l'épaisseur du de la fixation? Donc je cote ça. Huh. Bonne question. Non, c'est plus simple de mesurer M. Donc largeur totale cerveau. C'est con. Du coup, on va fermer ça. On va tout de suite aller dans Spreadsheet. On va le rajouter au bout. C'est pas terrible parce que c'est un peu une. Ah, merde. Un paramètre important, quoi. Comme quoi. Remarquez, est-ce que je peux pas insérer une. Ah, mais je vais. Ça va péter toute ma numérotation. J'ai pas envie de le changer de l'autre côté. Bon.
C'est pas grave. C'est une erreur, on apprend. Donc là, moi, j'ai... Oh! Ça, c'est un peu chiant. 54,5 mm. Voilà. Salut, Fredo Laredo! Alors, là, je vais mettre 83. Alors, attends. Je regarde ce que tu me dis tout de suite. Tu peux insérer une colonne dans Spreadsheet. Oui, oui, d'accord. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Ouais. J'imagine que ça doit être clic droit ou quelque chose comme ça, ou insérer quelque part. Tiens, d'ailleurs, comment est-ce que je peux faire ? Insérer des colonnes, voilà. Mais c'est juste qu'après, ça va me changer mon... Enfin, je vais avoir... Ça me fait chier d'avoir A, B, M, C... Enfin, bon, bref. Si je pourrais le remodifier tant que les alias ne changent pas, a priori, ça ne devrait pas être un problème. Ça devient le genre de truc où t'as besoin d'un dessin avec la spreadsheet pour expliquer quel côté quoi. Exactement, bah c'est pour ça qu'on a commencé d'abord par ça. Hein. Hello Barba, tu essayes de mettre les barres de boutons à droite, je trouve que ça allège le haut et rend les fonctions plus accessibles. Alors au boulot, il y a ça, j'ai mis ça, mais je sais pas, j'arrive pas à m'y faire encore. Mais oui, j'ai essayé. Alors là, c'est largeur. Tot. Allez, on revient ici, on reprend le sketch. Ça, c'est rigolo, ça. Alors, cheat, largeur, total, cerveau. Ok, ok. On réorganise ça bien. Très bien, maintenant. Je dindonne beaucoup, là. Cette hauteur, je l'ai, hein, celle-là. Oui, c'est bon. Celle-là, c'est C, c'est hauteur cerveau. Nickel. Ah, pardon, désolé. Désolé. C'est bon, c'est revenu. Vous inquiétez pas. Ça va me le faire plusieurs fois. Vous me connaissez. Pas du genre à me plaindre. Ça va et toi, Jonathan? Tac. Je pense que pour ce sketch-là, on a terminé. Je pense qu'on est pas mal. On fera les trous après. Ok, maintenant, on peut faire notre protrusion. Alors, non, dans l'autre sens, s'il te plaît. Voilà. Et alors, cette protrusion, ça va être quoi? Ça va être G. G, c'est épaisseur fixation. Alors, attendez. Parce que là... Hop, voilà, fixation, nickel. Donc on a ça, je pense que les trous on va les faire après, on va faire tout le reste avant de passer sur les trous. Donc ça, on va le renommer en fixation cerveau. Voilà, maintenant on va faire la base, on va pouvoir... reprendre, voilà, cette pièce là nickel. Alors je suis dans quel sens là, que je me fasse pas avoir? Ma protrusion elle est dans ce sens là, dans le sens inverse. Pas de souci, à bientôt, à plus. Et j'ai, voilà, ça, un rectangle centré. Voilà, sur cette ligne-là, nickel. Et donc... j'ai...
E-G-H ingéré. Très bien. Alors, normalement, je dois tout avoir pour pouvoir le coter, ça. Cette ligne-là, donc ça, c'est celle qu'on a fait tout à l'heure. Donc, c'est M. Je crois que je vais prendre en photo ce que j'ai dessiné. C'est largeur totale cerveau. Et pour pouvoir l'intégrer dans les dans FreeCAD, ça sera pas mal. Ensuite, ça c'est H. Alors H c'est profondeur section. Profondeur cerveau. Ok. Très bien. Ceci dit, cette pièce est vachement symétrique, tu pourrais pas faire qu'une moitié puis répétition symétrique pour terminer. Je pourrais, c'est vrai. J'aurais pu. C'est vrai que là j'ai fait comme d'habitude, j'ai fait ma symétrie dans mes esquisses. Mais je me rends compte que c'est peut-être pas forcément la meilleure des idées sous FreeCAD. Du coup, oui, tu as raison. Ça aurait peut-être été plus simple. En fait, j'ai une... comment dire, dans chaque logiciel, il y a des trucs qui vont et des trucs qui vont pas. Et dans Fusion, typiquement, les symétries de fonctions, quand on fait du paramétrique à mort, c'est le genre de truc qui plante régulièrement ou qui fait de la merde. Du coup, j'ai gardé cette peur de faire des symétries de fonctions dans un logiciel. Alors qu'en fait, ça peut bien très bien se passer, a priori, dans FreeCAD, ça se passe plutôt bien, quoi. Donc, bon, bref. Voilà, c'est surtout pour ça. Je pense, j'ai encore besoin d'appréhender le logiciel. Attends, profondeur fixe cerveau. C'est bon, ça? Profondeur fixe tronc. Ouais, non, c'est bon, c'est ça, nickel. La prochaine fois, ouais, non, mais c'est... En plus, à chaque fois que je le fais, si tu veux, j'y repense après, je fais, non, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, t'as changé de logiciel, et non, je sais pas, je... Mon cerveau n'y arrive pas. Alors, protusion 2, alors, par contre, dans l'autre sens. Voilà, et donc là... Spreadsheet, point... Donc là, ça c'est F, c'est épaisseur base. Ok. Voilà, bah, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc bah, là, je vais faire une symétrie. Là je vais m'en servir. Je vais prendre cette pièce-là. Je vais faire ma pièce ici, ma protrusion de ce côté-là. Et je vais faire ma symétrie de l'autre côté. Ça donne quoi d'ouvrir un modèle dont un body n'est pas monobloc dans Vanilla? La question piège. Alors attendez, ça, on va le renommer déjà. Et on va mettre que ça, c'est la base. Et là, maintenant, on va faire les ailettes. C'est marrant, cette orientation. Là. Alors, la question, c'est que les ailettes... Est-ce que ça va bien se passer? Parce qu'en fait, je vais utiliser... Voilà, je vais utiliser ces... des lignes qui sont déjà présentes. Alors, clac. Clac. Oh, bienvenue! Bienvenue, merci Yorzian. Comment vas-tu? Ah, là par contre. Et ici, qu'est-ce qu'il me dit? Pourquoi il me dit que ça va pas? Bienvenue à tout le monde. On perd pas les habitudes. Est-ce que cette installation de Recalbox s'est bien passée? Faut que je revoie du coup ton stream parce que j'ai envie de m'y mettre dessus. Donc, j'ai envie de voir comment ça se passe. Salut Ifrit70.
Alors, pourquoi il me dit que si je lui mets ça, est-ce qu'il se contient des contradictoires? Carrément, quoi. Veuillez supprimer 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, veuillez tout supprimer, quoi. Pourquoi? 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 Tu n'aimes pas cette contrainte-là. Ok, très bien. C'est étrange, ça. Si je dis que ça et ça... Ouais. Et maintenant... T'as le droit de faire ça? D'accord. Bon, ok, tout va bien, tout va bien. Très bien passé, c'est très simple à ce stade, je m'attendais à beaucoup plus complexe. D'accord, ok, bah, ça me donne encore plus envie de me faire ma petite, mon petit projet de borne d'arcade chez moi. Ça sera une très bonne idée pour un autre projet sur le live, à la limite, tiens, ça pourrait être sympa. Alors, deux points, non, c'était pas ça que je voulais faire, voilà, nickel. Deux contraintes horizontales, on dirait. Bah ouais, mais c'est bizarre, t'avais zéro contrainte. Ah ouais, tu penses que ce serait ces deux contraintes-là qui... Bon, écoute, on s'en est sorti autrement, mais c'est quand même très étrange. Lié à l'orientation de l'esquive. Ah ! Ah oui, bien vu ! Bien vu, bien vu. Alors, Gigi, je le redis, parce que j'ai tourné l'esquisse. Voilà, donc ça, c'est une contrainte horizontale, ça, c'est une contrainte verticale, et moi, je lui ai demandé une contrainte horizontale parce que j'étais tourné. Ah punaise, bien joué, bien joué. Donc faut pas tourner l'esquisse, on va pas tourner l'esquisse, on va la laisser comme ça. Du coup là c'est bon, j'ai fini. Ah oui non, il faut que je passe ces lignes là en ligne. Voilà, là c'est bon, là je peux faire ce que je veux. Bah ouais, pourquoi un même fricade sombre pour toi et un habillage blanc violet pour nous, c'est plus l'heure pour mes petits. Désolé. Désolé. C'est vrai que l'habillage blanc autour, il est peut-être un peu violent. Alors après, ça fait plus clean, non? Alors, ça c'est quoi? Ça c'est... I, comment on l'appelait? C'est épaisseur d'ailette. Ok, nickel. Et alors, normalement, je peux faire une fonction symétrie. Alors, on va l'appeler ailette déjà, ça. Mais renommer avec un seul L, n'est-ce pas, mes amis? Ailette, symétrie, sélectionner une référence, voilà. Ok. Eh bien, c'est parfait, ça. C'est vrai que la fusion n'est plus d'actualité. J'ai perdu quelque chose ce jour-là. Ouais, tu m'étonnes. Là, honnêtement, là, je le voyais pas. Non, mais il y a quand même un truc. Je vais revenir sur le sketch. C'est que entre ça et ça, qui est une... Enfin, vous voyez, je veux dire, c'est... Enfin, tu vois pas tout de suite que c'est une contrainte horizontale ou verticale. Alors là, pour le coup, j'avoue que dans Fusion, ils ont fait un truc qui est pas trop mal. C'est que automatiquement, la contrainte, elle est mergée, c'est la même contrainte, horizontale et verticale. Il détecte juste si la ligne, elle est plus verticale qu'horizontale, et dans ce cas-là, il met une contrainte verticale, ou sinon, il met l'inverse, en fait. Et du coup, ça marche pas trop mal. J'avoue. Ok, et ben là, on a notre pièce, et maintenant, il va falloir faire nos petits perçages. Si le résultat de l'opération sur un seuil unique, c'est bon aussi, mais si le résultat n'est pas un monobloc, c'est erreur habituelle. Aïe. Bon, alors maintenant, les perçages. Comme on a bien fait notre truc, normalement notre plan XZ, il est bien positionné, nickel. Alors maintenant, c'est là où on se marre. Parce que là, normalement, je devrais faire une version avec 2 et une version avec 1. Je me rends compte que si je fais ça, il manque une cote.
Est-ce qu'une contrainte de dimension à 0, il la prend? Genre, si je fais ça, ça, que je lui dis entre là et là, tu as 0, il prend. Merde. Donc là, on a peut-être une problématique de... Des excuses encore. Peut-être une problématique de stratégie, là. Si on revient sur... sur notre truc, là. Parce que du coup, là, maintenant, on a ça, mais sans les trous. Sauf que là, la manière de le concevoir, ce serait de créer... de dire que les trous, ils sont centrés. Voilà. Sauf qu'ici, je peux pas, j'ai pas la même stratégie, quoi. Il y a une contrainte de coïncidence. Point. Madkali, alors. Oui. Mais. C'est pas ça que je veux en fait. Comme la pièce elle est configurable, je veux pouvoir mettre une contrainte dimensionnelle. Mais on va s'en sortir. Hein. On va trouver un subterfuge, comme qu'on dit. Le subterfuge, en fait, c'est peut-être juste de se dire qu'on a besoin d'une autre cote qui est cette cote-là. Voilà. C'est un peu con, mais une fois qu'on a ça, et ben là, c'est forcément C sur 2. Et là, par contre, c'est autre chose. Et après, boum, répétition. Ça peut être aussi une solution. Contrainte distance horizontale ou verticale possible à 0, pas pour la contrainte distance directe. Ah. Ah. Ah, ça, c'est beau, ça. Ah, sur le forum, il peut les demander de contraintes intelligentes sur FreeCAD ou des contraintes débiles. C'est à nous d'être intelligents. Mais en fait, en vrai... c'est vrai que quand t'as goûté aux contraintes intelligentes, c'est compliqué de faire sans. Enfin, on se pense que c'est compliqué de faire sans, mais en vrai, ça va, quoi. Alors, ouais, mais la contrainte... Ah oui, c'est entre là et là. Mais pourquoi je voulais faire ça? Bah ça change rien en fait, il va falloir que je... Si je reprends là, il va falloir quand même que je code sur N quoi en fait. Ça vaut, sera forcément posé sur la base, non? Oui, exactement, DJ2B. Rien de remplaçant l'interface chez ce clavier, exactement. Et si tu fais des trous oblongs? Le problème c'est que dedans, pour les gros cerveaux, je veux pouvoir mettre un insert plastique. Donc, je veux pas faire de trous oblongs. Non, comment on va faire? On va s'en sortir. On va réfléchir deux secondes. Mais je pense que le plus simple, c'est cette petite contrainte N. Tout simplement. Cette distance N. Alors, attendez. Déjà, on va supprimer nos essais, là. En vrai, je soutiens ces demandes. Je valide complètement. Il faut juste trouver les développeurs. Mais finalement, ça se passe bien avec les contraintes, là. C'est juste qu'il faut les avoir en tête, quoi. Mais parce que les contraintes intelligentes, c'est... Enfin... C'est bien, hein, ça fonctionne bien, mais en vrai, après, tu sais plus ce que tu codes, quoi. Donc, il y a des fois où c'est pas forcément une bonne idée, quoi. Hauteur fixe trou. Est-ce que ça marche, ça? Hauteur fixe trou. J'aime pas trop cette cote-là, c'est une cote un peu à la con. Ah. Il n'a pas pris. Hauteur fixe. Trop. Ah, il faut forcément qu'il y ait quelque chose. D'accord, ok. Ok. Excuse-moi, logiciel. Eh mais attendez, on peut le calculer ça.
Est-ce que ça fait des... Ça fait des calculs? On est dans un tableur, là. On connaît, en fait, notre hauteur. C'est... Est-ce que je peux mettre des références, genre à quelque chose Parce qu'en fait, là, notre truc, là, c'est... Je parle dans le vent, pardon. Tu vas devoir réfléchir et faire un calcul plutôt qu'une valeur directe. Ah bah, on était arrivé au même résultat. Désolé, force. C'est pour le chat est très loin, en fait, de là où je regarde. Je devrais le mettre de l'autre côté. Mais oui, je vais faire un calcul, en fait. C'est exactement ça. La question, c'est, est-ce que je fais un calcul? Si, je suis obligé de faire un calcul dans le configurateur. Bon, c'est pas très grave. Alors, c'est C. Donc, hauteur cerveau. Donc, c'est D3. Donc, j'imagine que je dois faire un égal D3. Ça marche, ça? Oh, putain, ça marche. Trop bien. Moins K, qui est anthrax trou. Donc, L3. Divisé par 2. Fichtre. Attendez, j'ai un petit souci là. Ah! Et j'ai inversé. J'ai inversé ces deux colonnes-là. Ça, c'est 10 mm. Et ça, c'est 49 mm. Ça, c'est 75. Et ça, c'est 18. Et je me suis rendu compte que je m'étais planté là. Ok, et là, 4,80. Ok, je retombe sur mes... Ok, très bien. Est-ce que je peux tirer une valeur? C'est comme un... Non, non. Je peux pas faire ça. Toujours la faute du chat. T'as un œil au store, je kiffe le mug pas. Merci. Ben c'est pas grave, on va le faire. Comme ça, je sais pas comment on tire une cellule. On peut pas. Non. Ah, c'est dommage. C'est dommage, mais c'est déjà pas mal. Alors pour les deux, ça suffira. Donc du coup, j'ai la cote. Et par contre, il a toujours pas pris l'alias. Est-ce que tu peux me prendre l'alias, s'il te plaît? Hauteur fixe trou. Ok, par contre. Nickel. Nickel, nickel. Bon, c'est pas ultra propre, ça demanderait à être retravaillé. Donc on re... Oh, sketch. Voilà. C'est mieux que de le... Effectivement, que de le mesurer. C'est... Franchement, je suis très content d'avoir accès à un tableur dans un logiciel de CAO. Alors, si vous voulez tout savoir, je kiffe les tableurs. Diamètre, trou. C'est un de mes grands moments, le tableur. J'adore ça. Si je n'avais pas de tableur, je serais triste dans ma vie. C'est J, alors J c'est anthrax fixe cerveau. Ah, par contre, ça, c'est toujours un petit peu embêtant. Ok. Divisé par 2. Voilà, nickel. Ouh! C'est très très proche. Alors, il y a un petit souci, là, hein. Il y a un petit souci. Est-ce que c'est logique, ça? Là, ça semble logique. C'est juste très étonnant. De toute façon, il faudra l'imprimer pour essayer. Et... Voilà. Et du coup, là, eh ben, c'est N, donc. Ce qu'on vient de calculer.
Ok. Impeccable. Vive le DVB assuré. Bon, les plus fous. Maintenant, t'as Python. C'est quand même la joie d'avoir Python. Alors, moi, je suis pas. Je pas particulièrement Python, je vous avouerai. Donc, tu viens pas à utiliser FreeCAS comme base de données. Il y en a qui font du montage vidéo dans Blender, alors je vais te dire, hein, au bout d'un moment, il n'y a plus rien qui me surprend. Alors. Là, ça va être à travers tout. Pas copain avec les serpents. Non, je suis pas. C'est pas un langage qui me fait rêver, Python. On va faire un truc là parce que je suis sûr que ça passera pas. C'est plutôt par expérience, donc c'est M. Largeur totale là. On va passer à 55 et ici on va passer à 83,5 pour avoir un peu de marge de manœuvre. Voilà, c'est bien, ça se met à jour et tout. Incroyable. Un publipostage de pièces via Africa, mon Dieu. Alors, on est d'accord avec ça. Donc ça, on va le renommer de perçage. Perçage 0, voilà. Et maintenant, ah. Que si je fais une symétrie, non, arrête tes conneries, rien. Fais une répétition. Répétition de ça sur cet axe-là, on est d'accord. Donc, on est bien sur l'axe Z. De deux occurrences. Alors non, de n occurrences. Alors, est-ce que celle-là, on va voir si ça marche. Spreadsheet point nombre de répétitions. Ok, donc là j'ai bien la fonction et la longueur c'est point. Donc ça c'est K maintenant qui est c'est entre axes trou. Ok, très bien. Maintenant ici, si je mets genre 1. Alors, attendez, que je dégage ça, que je lui dis maintenant c'est 1. Donc effectivement, c'est bien ce qu'on disait, ça marchera pas. Donc on le fera dans le vent. Et tant pis quoi. Tant pis. Pas faire une répétition de 1, en fait, donc ne pas faire de répétition. C'est un peu dommage. Mais ok. Eh ben nickel, c'est pas mal ça. Hein, ça passe pas, ouais. C'est dommage. Mais je m'en doutais un petit peu quand on a fait la pièce. C'est une question qu'on se posait et on se disait soit ça passe, et dans ce cas-là c'est cool, soit ça passe pas, et dans ce cas-là on fera le trou au-dessus, quoi. Donc on fera le trou au-dessus, quoi. J'ai fait une évaluation, enfin. En tout cas, non, mais c'était long le rendu. Mon Dieu, vous allez loin, vous allez lire. Tu fais du conditionnel avec le spreadsheet? Ah! Ah oui, ça ouvre des possibilités, ça aussi. On peut pas conditionner la répétition. Non, mais tu peux faire une condition dans le spreadsheet. Ouais, ce serait plus efficace. Mais alors, par contre, il faudrait repenser la manière dont on fait la pièce. Ah, c'est intéressant. Comment ça passe? Alors, attendez, je sauvegarde. Comment ça se passe le conditionnel dans Spreadsheet? Il y a un if quelque chose ou on peut faire un égal if ça marche ça? Non? Si? Ah, on peut faire un sinus, très bien. À quoi on a le droit? Je veux savoir. FreeCAD Spreadsheet. Voilà. Alors, ah, expression, encore mieux. Alors, comment ça marche?
Donc, les additions, restent, ça c'est du classique. Alors, le renom de l'air API, ça c'est pratique. Expression conditionnelle. Alors, sur la forme. Oh, d'accord, ok. Ok, je vois. Très bien. Ah oui. Faut l'avoir en tête. Les unités peuvent dire les expressions. Qu'est-ce qu'on a le droit d'autre? C'est des égalités de nombre ou alors ça peut être des égalités de... Comment dire? De chaînes de caractères. Parce que là, ça peut être rigolo. Quand même. Tu peux mettre dans les paramètres de la répétition combien d'occurrences? D'accord. Ah oui, carrément dans les paramètres. Oh mon Dieu, plein de possibilités. D'accord. Alors, petite question. Ah non, on peut pas. Non, je pense à des trucs très très cons. Mais je me réponds moi-même, donc ça va. Ok. Ok. Mon Dieu, ça change un peu la manière dont on utilise cet outil. Ok, super. Arrête, t'as ta petite fuite. Faut pas le problème de la répétition avec une seule occurrence. Zéro fois, bah non, il veut que ce soit au moins deux. Il te dit de toute façon au moins deux. Non, ça résout pas forcément le problème, mais ça ouvre des perspectives sur la manière dont tu peux générer des cotes. Range ton outil. Et non, mais et dis donc, en plus, je viens de penser à ça. Si je veux faire un modèle vraiment intéressant pour l'aspirateur à fumer du venti avec un ventilo, on pourrait mettre en paramètre effectivement les tailles des ventilateurs. Et ouais, et oui monsieur. Bon, alors, arrêtez de dire des conneries. On va se faire un petit modèle avec un seul trou pour voir si ça marche, pour voir si même sans avoir fait ça, on a la bonne solution, on récupère les bonnes valeurs. On va se faire le modèle que j'utilise maintenant de petits servomoteurs qui sont les MG90S, qui sont un tout petit peu plus chers que les SG90 et 92. Voilà. C'est le modèle que j'utilise maintenant et celui-là que j'utilisais avant, qui ont l'avantage d'avoir des pignonneries en métal, qui font un tout petit bruit très, très aigu mais très très agréable. Oh, t'es un ouf. Comment compiler un projet toujours pas encore. Ça va arriver, le truc il va être fou. Il va être fou à la fin. Il va jamais se finir. Alors déjà ça c'est du 2,5. Ensuite la largeur du cerveau. Là, moi j'ai 22,5. Ah, 22,5. J'ai fait du code pour ça. Hauteur du cerveau. B, C. Ok. 12. Alors, heureusement qu'on a fait. Alors là, par exemple, j'ai 1. Mais on va mettre 2 parce qu'on sait que ça ne marche pas avec 1. Profondeur, fixation, trou. Donc là, c'est E. Ok. Voilà, donc là j'ai 19. Épaisseur base. Donc là c'est K. Non, c'est F. Ça, on va laisser 5. Ah. Oh, on peut faire un entrée dans une cellule. Mon Dieu. Épaisseur des fixations. Alors ça, c'est G. 10, ça correspond à combien là-dessus? Bon, c'est très large.
6. Là, c'est pas dépendant du modèle. Après, c'est vrai que ce serait pas mal d'architecturer le truc en disant ça, c'est dépendant du modèle, c'est le modèle de cerveau, je peux rien y toucher. Et ça, c'est des choses sur lesquelles je peux agir, qui sont plutôt de l'ordre du design de ma pièce. Donc on pourrait peut-être même réordonner ça de manière encore plus profonde. Parlons de profondeur du cerveau. H. 29. Épaisseur des ailettes, on va garder 4 mm. 4 mm, beaucoup sur un. Allez, 3 mm. C'est une condition dans la répétition pour faire au moins 2, donc même 1 dans le spreadsheet ne ferait pas d'erreur. Ah oui, d'accord, tu dis, mais si nombre de répétitions, si spreadsheet moins nombre de répétitions égale inférieur à 2, dans ce cas-là, 2. Ah, on va le faire. Ah ben, regardez. On va le faire, on va mettre 1. On va mettre 1 et puis on va le faire. On va le tester. T'as raison. Très bonne idée. Comme ça, ça nous fait. Ça nous change pas grand chose, mais au moins ça nous fait tester cette partie-là. J. Va se planter 28 mm. Alors là, le cas. Diamètre des trous de base. Alors, on va laisser 4,5 parce qu'on veut être compatible avec nos fixations. Si on la répète, finir avec un modèle de robot, tu rentres le diamètre de la roue et ça te redimensionne. Alors j'adorerais ça! J'adorerais! Ce serait tellement génial! Ce serait tellement génial. Ou avec le. Mais je suis pas encore suffisamment sûr de moi pour lancer un projet de robot de Coupe de France de robotique avec FreeCAD. Mais par contre, lancer un projet de robot de combat avec FreeCAD, ouais, ça si, carrément, clairement quoi. Largeur totale du cerveau. Ah oui, c'est la cote qu'on n'avait pas avant. 33. Et alors là, effectivement, rendre le plus de choses paramétriques comme ce qu'on avait fait l'année dernière avec le robot de 2019 et 2020, et avoir du pilotage avec ce genre de choses-là. Ah oui, carrément, carrément, bien sûr. Hauteur fixation trou, ça c'est N. Ah oui, ça, il faut le calculer. Et bien ça, en fait, pour un truc de 1, c'est égal à la moitié de... C. Alors c'est la moitié de D5. D5 divisé par 2. Nickel. On se regarde. Alors là maintenant, pour éviter tout de suite le problème, avant de sélectionner, on va aller sur linéaire. Et là, voilà, on va dire c'est égal à ça. Alors, si ça inférieur à 2, point d'interrogation, c'est quoi la suite? Attendez, je ne l'ai plus en tête. Résultat true, résultat false. Ah, au revoir, bonjour. Résultat true, donc si c'est inférieur, et ben du coup, le résultat, ce sera 2. Et si c'est supérieur, ce qui n'arrivera jamais, en fait, mais bon, ça sera... Ben, tu récupères la valeur. Et il faut que je fasse ça. Pourquoi ça ne veut pas indexer? Ah, pardon. Voilà, c'est bon. Fermez celle et viens sur Mangas. Vous êtes en train de me spammer. Bon. Salut, Wuzdasgi. Je t'avais pas vu. Ce serait plutôt de mettre 1 dans le spreadsheet, de mettre répétition plus 1 dans répétition. Oui, c'est vrai. Mon Dieu.
C'est vraiment con. Ça, du coup, j'ai pas. Ça serait plutôt de mettre 1 dans la stratégie et mettre répétition plus 1 dans la répétition, non? Salut, Jeez. J'ai la tête qui chauffe. Ça peut marcher, mais du coup, il faut que je revienne dans le spreadsheet. C'est vraiment trop con. Ok, du coup, ça marche. Maintenant, attention. Sauvegardons, quand même. On n'a pas essayé avec le gros. On va essayer déjà avec le gros. Si ça marche. Ok, ça marche. C'est un peu bizarre. Il reste plein de trucs à corriger. Mais ça marche. Maintenant, on essaye avec un petit. Attention. Oh, boum! Ça marche. C'est trop bien. Alors, il y avait une question de Wounds Tu penses qu'avoir des connaissances en contrôle système est un prérequis pour participer à ces compétitions? Je sais pas. Oui, pourquoi pas? Ça dépend des pôles et des zéros dans ton système. Elle est bien. Mon Dieu. Bon, c'est bien ça, hein? Ah, je suis content. Je suis très content. Bon, il reste les trous de perçage là. Mais globalement, c'est plutôt classe, quoi. Hein? Je vais changer de cerveau. Boum. Ah non, c'est très très bien. Bon, maintenant, on va faire les trous. Alors, par contre, ça, on les a pas positionnés pour le coup. Du coup, dans l'assemblage, tu peux avoir plusieurs instances d'une même pièce avec des paramètres différents. Alors, ouais, c'est ce que FreeCAD France expliquait la semaine dernière. C'est que tu peux avoir ça. Tu peux faire un lien vers cette pièce-là. Et alors, je me souviens plus exactement du paramètre, donc si jamais il est encore dans le chat, il pourra te le dire. Mais tu peux créer plusieurs instances d'une même pièce liée avec des paramètres différents. Donc ouais, carrément, ouais. Carrément. Et tu peux les changer à la volée si tu veux. Donc du coup, c'est cool. C'est très très cool. Bon, alors avant de faire les chanfreins et les arrondis, on va peut-être faire les trous de fixation en dessous. Alors, on va revenir sur l'assemblage parce que sur l'atelier parce que du coup on les a pas paramétrés. Parce qu'on a ces deux trous là dont le diamètre est donné, enfin on le donne dans le document. Il y a celui-là où le diamètre c'est pareil, on le sait, c'est L, hein, ça ne change pas. La question c'est si je event. Ah, ils sont pas encore à 5 millions, putain, c'est dommage. Ça aurait été beau quand même, 5 millions pour à minuit. Ferme Excel et bien sûr un bug. je l'ai pas en plus. Arrêtez. La question, c'est comment est-ce que je les positionne? J'aimerais bien faire une position, les positionner de manière géométrique le plus possible, en limitant en fait le nombre de côtes en plus. Genre, je sais pas moi, si je fais la plaque vue du dessus, j'ai ça. Comme ça. Alors, par exemple, ces trous-là, ils peuvent être ici, au centre de ça, et au centre de ça, quoi. Comme ça, même si ça bouge, ce truc-là, sans cotation, il vient se positionner correctement, quoi. Et pareil pour celui-ci, voilà, au centre de cette partie-là et au centre de ma pièce. Ha ha.
ce troll. Vous voulez que je crée des t-shirts, c'est ça. Vous voulez que je crée des mugs, ferme Excel et viens sur Among Us. Ok, ok, allez, c'est parti. On passe sur un live Inkscape. Ah là là. On va prendre cette surface-ci. Voilà. Ça, c'est pas terrible, ça, comme visualisation. Je sais pas si on pourrait changer dans les couleurs. Ça, c'est assez... c'est toujours assez moche. Alors, je vais avoir besoin de quoi? Je vais avoir besoin de ça. Non. Non. On va le faire autrement. Ah, carrément, quoi. Je voulais juste que tu enlèves la ligne. Je vais avoir besoin de rien du tout, en fait. Parce que là, je suis centré. Et là, j'ai la côte. J'ai la côte cut. Et pareil ici. Et de l'autre côté, la même chose. Et vous êtes combien, là, sur Among Us? Parce que là, ça me... Tout le Discord de la coupe, il est passé dessus, quoi, en fait. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Clac. On va pouvoir utiliser cette cotation-là. Donc, celle-ci, c'est quoi? C'est H moins E divisé par 2. Go. Parti. Alors, H, grand H. Grand H, c'est quoi? Grand H, c'est profondeur cerveau. Profondeur cerveau. Voilà. Moins shit point E. Profondeur fixe cerveau. Voilà. Divisé par 2. Ok. Ok. Parfait. Tiens, je peux peut-être aussi créer le diamètre. Ça, c'est L. Diamètre trop de base. Ok. Impeccable. Et donc, du coup, maintenant, ça, faut que je les positionne. Alors, ça va être assez simple. Normalement, j'ai... Ouais. La cote de là. Ah bah non. Cette cote là, je l'ai. C'est moins. Oh non. Bah. Voilà. Merci. Sheet, point. En trace. Fixation cerveau. Ouais, divisé par 2. Ok, ça se positionne bien. Et maintenant, il faut cette cote. Alors, c'est quoi la meilleure? Oula, ça va être G plus G moins E sur 2. C'est un peu moche. Alors c'est soit ça, soit je fais... Je peux faire ça normalement. Ah, c'est bien ce que je me disais. Il va vouloir se mettre au milieu. Du coup, il faut que je fasse une ligne, une deuxième ligne. Bon, on va pas faire ça. Bah, c'est pas grave, tant pis. On va le coter comme... Ah, en plus, c'est en négatif, là. Non, j'aime pas. J'aime pas, ça me fait bizarre d'avoir une cote comme ça. Mais, sérieux, quoi? Pourquoi? Bon, ok, très bien. Eh bien, c'est moins. Alors, il me faut... donc, c'est E moins G, donc... On aura fini. Profondeur fixe trop. Moins... C'est vraiment très long.
J'ai, alors j'ai épaisseur fixation. Voilà. Divisé par 2. Normalement, ça se positionne pas du tout bien. Oui, parce qu'il me manque un plus quelque chose. Effectivement. Ça. Oh. Attendez. On va y arriver. Plus G, donc c'est spreadsheet. C'est vraiment des trucs un peu à la con. Plus fixation. Ok. C'est bon là. Impeccable. Voilà. Nickel. Bon. On sauvegarde et maintenant, est-ce que ça marche jusqu'au bout? Oh oui, ça marche. Voilà, ça fait un peu con. Là, ces vis-là, normalement, il faudrait que je les fasse d'une autre taille. On va le changer tout de suite. C'est le diamètre des trous de base. Ici, c'est 2,5 mm. Voilà. Oh oui, voilà, beaucoup mieux. Eh ben nickel. Ah ben, les amis, on sait pas que ça allait aussi bien se passer. Et aussi vite surtout. C'est vraiment impeccable. Bon, j'ai pas trouvé pour faire une connexion avec du texte. Ah, ah oui, c'est vrai que j'ai posé cette question là. Bon, mais c'est mon côté. Tableur maniaque où je fais des conditions un peu chelou avec des chaînes de caractères, mais t'inquiète pas, ça me sera pas très utile, ou alors je passerai en Python, ça sera pas plus mal pour le coup. Ça m'obligera un peu à passer un peu sur Python, à me forcer à faire du Python. Ok. Moi, j'imprime toujours par là, donc du coup, ici, on va créer un chanfrein de 0,2. Ah ouais. Ah oui, non. Voilà, nickel. 0,4 plutôt, d'ailleurs. Voilà. Je me sens 5 minutes et le Z-Event gagne 1 million. Quoi? J'ai même pas regardé. Oh, oh mon Dieu! Mais comment c'est possible? Ah, alors attendez, parce que... alors, checkez un peu sur Twitter ou autre de où ça vient, ça. Mais il y a PayPal qui a dit, genre, si vous faites un don de plus de 10 euros, nous, on rajoute la moitié. Ou on rajoute 5 euros ou quelque chose comme ça, je crois. Ils viennent de rajouter les t-shirts de la soirée. Mais ils l'avaient pas déjà rajouté avant? 5 millions! Mais c'est gigantesque, quoi. N'importe quoi. C'est fou, quoi. C'est complètement fou. Il y a Marc Avil qui vient de les retweeter. Sérieux? Ça, c'est fou, quoi. Ils ajoutent 5 dollars pour chaque... Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Ah, c'est cool que Marc Avil il ait retweeté ça. Mark Hamill, pour ceux qui savent pas, c'est celui qui joue Luke Skywalker, l'acteur. Il a pas fait grand chose d'autre d'ailleurs. Ah non, pas la face. Ok. Hyper cool. Comme être humain, de manière générale. De leur répondre. Pourquoi ils avaient posé une question à Mark Hamill? Ah oui, ils l'ont fait en deux fois, en fait. Non, plus jamais, il est un acteur américain. Mais... Merci, monsieur Wikipédia.
Alors, sachez aussi qu'il fait, c'est le doubleur officiel du Joker dans la série animée américaine Batman aussi. Et il est incroyable. De noter 1,5 million de t-shirts à 20h. Ouais, ça j'avais vu. Et 500 000, c'est fou quoi. C'est complètement fou. Bah, attendez, parce que moi je le suis, Marc Hamill, donc peut-être moi que je regarde un peu ce qu'il s'est dit. Ah, attendez. Hamill himself, qu'est-ce qu'il disait? Peut voir les réponses, Twitter réponses. Je sais pas où est-ce qu'il a répondu. Me demandais s'il pouvait en parler un peu car le hashtag était que cinquième en tendance mondiale. Ah oui, c'est vrai qu'ils essayaient de le faire passer en 1. Voilà, il y a beaucoup de trucs sur Biden, mais. Ah bah oui, c'est là. Hey, il y a une scène du film The Fort des Abonnés. Ah, c'est génial! Ah, trop cool! Ah, c'est trop classe. C'est super classe. Trop sympa. Ok, bon, nous, on continue nos petites affaires là sur notre truc paramétrique. Il y a une dernière chose que je voudrais faire. Mais je pense que je vais pas y arriver ce soir. Je voudrais rajouter le cas de l'équipe, le cas des caribous. Bah, en fait, c'est très simple, je sur le t-shirt quoi. Ce cas-là. Voilà. Je sais pas trop comment on peut rajouter une police dessus. Je crois que ça se passe dans l'outil draft. Mais parce que je pense pas que. Si je fais ça, il n'y a pas d'outils. N'y a pas d'outils texte là. Ça aurait été trop beau. Ah non. Ah, le lien n'est pas passé. Ah merde. Oui, draft. Alors, shape-tring. Il faut avoir la police. Ok, normalement, ça c'est bon. Alors, fermer. Ça, on va le supprimer. Alors, outil draft, je crois que je ne l'ai même pas sélectionné là. Je pensais pas qu'il me servirait. C'est con, hein. Personnaliser, mais en vrai, atelier, draft, où es-tu? Ben non, il était là. Ah ben non, il est là. Bah, je l'ai pas vu. Ah ben non. Draft. Il faut rapporter un. Il faut. Attendez, là, vous me donnez plein de trucs. Draft-shaping, voir la police. Attendez. Bon, mettons, je suis là-dessus. Oh merde, attendez, il n'est pas du tout paramétré, mon. Ça, c'est quoi ça? Oh mon Dieu! Il y a plein de trucs qui se sont rajoutés. Ah! Déjà, je pense que ça se joue avec cette icône-là, ou alors pas du tout? Mon Dieu. Draft forme à partir de la taille d'une forme composée représentant cette tribu. La forme obtenue peut être utilisée avec l'outil Part Extrusion pour créer des lettres 3D. Ok. Plus simple sans forme fermée, utiliser Draft Text. D'accord. D'accord. Sur un point de vue 3D, coordonnées entre les textes désirés, entre la taille désirée. Montrer le suivi souhaité. Ah d'ailleurs la taille, il va falloir que je la. Ça sera paramétrique, forcément. Ah oui, d'accord. Il faut le TTF. Alors, normalement, je l'ai. Donc, où est-ce qu'il est? C'est celui-là. Et je.
Ah oui, il faut que je le positionne avec un point dans l'espace. Sachant que ça... Ah oui, d'accord, Y. Pourquoi le Z est... Je comprends pas comment... Pourquoi le Z il est... Ah! Ah oui, parce que c'est sur la face. Donc si je clique là... Ok, fichier de police, faut que j'aille le chercher. La grille n'est pas placée correctement. Ah, attendez. Mon Dieu, attendez. Alors, outil draft, tu as l'outil texte, tu peux choisir le fichier de police que tu veux utiliser. S, là, on va rigoler ou pas. La grille n'est pas placée, elle considère ta face comme un plan XY. D'accord. T'es vache. Mais du coup, si je dessine là, chaîne, défaut, c'est K. Alors attendez, je vais chercher ma police déjà. Je sens que ça a l'air pas drôle. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est vraiment pas drôle. Alors déjà, faut que je retrouve ma police. C'est pas intuitif du tout. J'avoue que c'est mal barré déjà. Je suis pas sûr de l'avoir en plus cette police, putain. Alors, où est-ce qu'elle peut se trouver? Alors, je suis désolé, je vous montre pas. Attendez, si je fais. Ah, yes! Alors, elle est où? Elle est dans 2018. Ok, d'accord. Ok, alors 2018. Communication. Logo. Ah, j'aurais peut-être dû rester sur ma recherche. Mon Dieu. Je l'aurais pas retrouvé. Alors, c'est celle-là. Ouvrir. Ok, donc là, je l'ai. Les draps font tout approche de la manière de modéliser. Pourquoi est-ce que... Vous êtes vache. Donc là, si je fais OK, je sens que le K, il va se mettre sur la grille, à tous les coups. Ouais, voilà. Voilà. Ah! Super. Super. Je peux pas faire un copier et puis après je le colle dans une esquisse. Ça serait trop facile. Bon, très bien. Alors du coup, la grille. Il faut que je déplace la grille. Snapgrid. Mon Dieu. C'est un calque. Comment ça marche? Crée 2D projection de Select Object. D'accord. Oh putain. Oh mon Dieu! C'est vraiment l'enfer. Dans le supprime pas, crée-le, puis tu le déplaces après. D'accord. Ok, très bien. Ça m'a l'air très intuitif. Ok. Ah. Ah, bon. Dommage, je crois que j'ai un peu merdouillé là. Bon, alors on le met là, on met un K, mes fichiers de police, on prend, voilà. La hauteur, ah non, vous êtes en train de me dire que la hauteur n'est pas paramétrique. Ah bah non, mais là on peut s'arrêter là. Parce que je pourrais pas le mettre. Ah mince. Bon, on va mettre 15 et puis on va pas le mettre 15 mm. Voilà. Bon, là. Là. J'aime bien le truc qui bouge dans tous les sens. Très bien. Attendez, ça c'est 15 mm. Ça c'est pas 15 mm. Hein. Size 15 mm. C'est à hauteur de quoi 15? Parce que genre... Attendez. Ah non, ça pas du tout.
Bon, du tout. Bon, les mauvais souvenirs qui reviennent, ça n'a pas l'air de s'être amélioré. Voir le paramètre placement. Ok. Dans vue. Non. Données. Placement. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Mais oui, mais quand je vais changer ma forme, ça va bouger. Quand je viens changer mes paramètres. C'est bon, alors position. Tiens, regarde, on va le centrer déjà. Ah oui. Ah, c'est bien. Là, déjà, je peux mettre des fonctions. C'est déjà pas mal. Ah oui, c'est ça que tu disais avec les fonctions. Ok. Très bien. Déjà, oh, l'angle qui passe en trait. Du plaisir. Du plaisir, là, on est sur du plaisir. Là. Alors. Là, on est bon, là. Et donc, le Z. Ah, le Z, déjà. Déjà, là. Là, je retrouve mes petits, là. Donc, c'est spreadsheet. Point. F, donc c'est épaisseur base. Eh, c'est pas mal. Un outil en plus qui fonctionne pareil, mais... Demande une corde, un arme, un tabouret pour Barbe. Ah non, mais là, c'est vraiment... Alors, je vais faire un truc simple. Ah non, c'est pas simple, pas simple du tout. Parce que... que graver les lettres à la scène, ça serait plus vrai. Franchement, je me dis que ça serait bien plus rapide, effectivement. Non, sérieux, OSTL via Blender. Ah ouais. S'il y a trois petits points. Ah oui, au pire, tu l'écris. Marqueur. Mais non, regardez. Ça se passe pas trop mal. Regardez, on va sauvegarder. Là, maintenant, cet outil-là, cet objet-là, si j'ai bien compris, je peux l'utiliser avec Part. Et donc, je suppose... Alors, part, je connais pas. Je peux faire qu'une extrusion. Je peux pas faire une... Live Nouvel An, le robot 2021 dans Blender. Bon, maintenant que j'ai mon shape string, là... Ok. D'accord. Ok. Bon, on est à du script. Bon, après, j'en fais quoi, moi, ça, moi? Je peux glisser et déposer le shape string dans le body. Ah. Ok. Très bien. Il arrive là. Très bien. Ah. C'est bon. Là, il est dedans. Ok. Alors maintenant, tu fais un shape binder du shape string dans le corps de pièce, puis protrusion. Ah ouais! Ok, donc on repart dans part design. On sélectionne le shape string, shape binder. Tiens, lequel? Celui-là, en fait. Là, ça suffit. Et là, on fait OK. Shape binder, et là, boum, protrusion. Enfin, du coup, dans l'autre sens, quoi. Et si ça fait rien, inversé. Ah, oh bah ça va en fait. Non, ça va. En vrai, ça va. Je m'attendais à pire que ça. Voilà, et du coup maintenant, ça je peux le cacher. Ok. Pourquoi il est jeune? Alors j'aime bien, hein. Mais pourquoi il est jeune? C'est trop bizarre. Find true. Bah alors. Bon. Ah putain. Il est pas dans le bon sens parce que je l'ai mis dans. Ah.
Attendez, attendez, c'est pas fini. Est-ce qu'on peut le changer de... Ah non. dans le placement, il n'y a pas moyen de faire un... C'est quoi Axe? On peut faire la cavité directement depuis le shape string. Ah bon? Ah! Attendez, donc ça veut dire que si je prends le shape string directement, je peux faire la cavité? Ah ouais! Ah cool! Une étape en moins. Parfait. Par contre, le problème c'est que mon shape string il est pas. le mec il panique complètement. Ah, fallait pas cliquer là. Comment je peux inverser mon truc? Si je double-clique sur le. Rotation de 90 plus 180 dans les angles. 90 degrés plus 180 dans les angles. Alors attends. Placement. Ouais, mais angle, moi j'ai que ça moi. Tu veux dire dans les axes là si je mets 1? Ah c'est rigolo. C'est tellement pas clair. 0, 0. Ok. Là, il vient de le mettre comment? Attends, est-ce que tu peux me l'afficher? Merci beaucoup. Ok, donc faut se démerder avec un truc pareil. Ok, 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 ça va le faire, ça va le faire. Bienvenue, The Onslaught 77. 270 dans angle. Attends. Je crois que je... Ah oui! Eh ben non! Non, 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 faut que je fasse une symétrie, faut que je le renverse comme ça, en fait. Non, mon 90, il est bon. C'est, il faut que je le... 0, 0, moins 1. Ben oui, c'est pas logique. Non, moins 1, il va tourner dans l'autre sens. Alors, attends. Moi, il y a Forceman qui dit 3 petits points. Allons-y sur les 3 petits points. Alors, les 3 petits points. Où vois-tu les 3 petits points? Tu fais ça. Parce que tu me l'as dit tout à l'heure. Où est les 3 petits points dans la ligne placement? Alors, placement. Ah! Ah! Mais c'est parce que les petits points, ils s'affichaient pas. Ok. Ok. Très bien. Très bien. Alors. Axe Z de rotation. Et donc là, si je change par X, incrémentiel. Ah, là, c'est, là, je peux mettre X. Et là, je mets 180. J'applique. Ok. Ok, très bien. Alors, je suis pas sûr de l'avoir fait de manière ultra legit, mais disons que ça va. Ok, très bien. Donc, ma pocket, maintenant, elle est mal orientée. Voilà, parce que du coup, il prend le... la partie... Ok, ok, ça marche. Bon, c'était un peu la galère, mais ça va encore. Ça va encore. Il s'en sort bien quand même. Je sens une petite pointe d'humour, n'est-ce pas? Alors déjà, on va sauvegarder, hein, parce que c'est galéré quand même pour arriver là. Est-ce qu'on pourrait... essayer de changer la config. Bon, si on change la config, on part sur le grand, normalement, il n'y a pas trop de problème. Ouais, le K, il reste. Ça, c'est pas un problème. Là où je suis un peu plus
un peu plus peur. J'aurais dû le faire sur le petit directement. Ah. Voilà. Ah, miam 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 les chanfreins. Donc c'est le chanfrein 3 qui plante. Alors c'est pas le cas, c'est le chanfrein. Forcément. Alors le chanfrein 3 c'est lequel? On se marre un petit peu. Ah oui, c'est tous les trous. Ah bah oui, parce qu'il y a deux trous qu'il connaît pas. Forcément. Et bah, le chanfrein 3, on va le supprimer. Oui. C'est pas grave. Je me débrouillerai pour faire un truc plus tard. Et ouais, c'est complètement logique. On va juste regarder si le... Tadadam. Allez, bon. On va le repositionner par rapport à lui. Après, on peut... Ouais, je peux le positionner. Ah, c'est rigolo. 0,71 pour avoir le... Ok. Je peux peut-être faire quelque chose avec les fonctions. Mais bon, pas ce soir. C'était déjà bien. Ok. 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 Écoutez, moi, je suis très content, là, déjà. Sur le dessous de la pièce, ce sera top pour l'impression. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Non, mais parce qu'en fait, sur le côté, ce que j'avais peur, c'était de pas pouvoir utiliser les fonctions. Mais maintenant que je vois que c'est possible, je pourrais le refaire. Mais en vrai, ça se passe bien avec mon imprimante. Là, j'ai fait un enlèvement de matière de 0,4 mm. Donc, c'est pas énorme. Donc, en fait, je vais avoir une finition qui sera pas trop moche. Et ça pourra se voir à travers l'acrylique, parce que tu as une plaque d'acrylique normalement qui vient au-dessus. Jusqu'ici tout va bien. Du coup avec un autre cerveau. Ouais. Clairement j'ai bien plus galéré avec ça. C'est limite décevant d'autres facilités. Je vais mettre le chanfrein des trous dans le pattern au pire. Bien vu. Faut que je le fasse avant et je le mets dans le pattern. Bien, bien. Ouais, ça pourra être modifié. C'est là qu'on arrive sur un problème topo. Bah, moyennement, en fait, c'est logique, tu vois, je lui demande de faire un chanfrein sur un trou qui n'existe pas. Parce qu'en fait, le trou existe quand t'en as deux, et quand tu passes à un, forcément, il n'existe plus, quoi. Mais ça, Fusion, il me l'aurait dégagé aussi, hein. Donc, c'est pas... Bah, par exemple, là, si je refais la même chose... Voilà. Voilà. On va refaire ça. 0,2. Voilà. Ah, la face à l'intérieur, il a pris. Oh, c'est bien ça. C'est très bien. Parfait. Voilà, donc si je fais ça, par exemple. Ok. Oups. Est-ce que je peux le remonter? Si... Alors attendez. Si je me mets là. Ça c'est un truc que j'ai encore jamais fait. Non. Comment est-ce que je fais pour remonter mon chanfrein et le mettre entre les deux là? Avec un chat, un fric. Oui, ça aide pas mal, ouais. Non, j'aurais été bien emmerdé. Alors, j'ai rien pour le remonter. Ou pour le faire avant la pocket. Ça se passe autre part, peut-être. Ah, c'est quoi ça? Une flèche vers le haut. Clic droit, déplacer. Après une fonction. Déplacer après un autre objet. Ah. D'accord. Donc après, chanfrein 2. Ok, d'accord. Ça marche, merci. Je crois que j'aurais... Parce que déplacer après un autre objet, j'avoue que là,
je l'aurais pas compris. Ok, et donc maintenant, pocket, nickel. Ah, c'est plus propre, déjà. Ok, très bien. Et ici, si maintenant je passe sur un plus grand. Ouais, ça le fait. Mais j'ai pas le chanfrein sur le deuxième. Et c'est là où Julien disait qu'il faudrait peut-être faire la répétition avec le chanfrein. Donc avant le linéaire pattern. Ok, alors on va essayer ça, tiens. C'est ces deux faces-là. On va supprimer ces deux faces-là. Ok. On va créer un chanfrein. Oui, je sais. Sur. Oui. Voilà. Sur ces deux machins-là. Ok. Alors, est-ce que ça va marcher? Déplacer après un autre objet. Donc, on va le déplacer juste avant. Donc, jusqu'après, perçage trou cerveau. Voilà. Nickel, donc c'est à partir de ce moment-là. Et là, linéaire pattern, on va le changer. Ça va être les ces deux-là. Si je fais ça, ok, ça me fait le pattern avec les... On remonte. On travaille, bah, c'est parfait. Ça a l'air de bien marcher. On le reconstruit, il est content. Maintenant, si je fais... Le petit, ça marche, impeccable, donc, très bonne suggestion de Julien, ça fonctionne super bien, ça fonctionne super bien, eh ben c'est pas mal Freecad, hein, comment est-ce qu'on cache cette grille de l'enfer par contre, c'est ce qu'elle est très jolie, hein, mais bon, j'imagine que là, genre là, non, non, tout gueule, ah voilà, c'est bon, je l'ai, voilà, très bien, merci beaucoup, ça me fait plaisir, GR, ah oh, ouais, alors là, alors G, ça correspond à quoi? Ah, marche plus, GR, bon, je sais pas ce qui s'est passé. Alors, les raccourcis clavier. Draft, j'imagine que la toggle... Ah, il met pas le raccourci clavier entre parenthèses. Ah oui, tiens, c'est marrant, ça. Je viens de m'en rendre compte. PG, BS, grille ou grid. Ah, GR. Ah. Ok. Pff, j'ai déjà bouffé des raccourcis clavier hier avec Kikan. Je pense que là, ça va finir de m'achever. D'accord, GR pour grid ou gris. Ouf. Je crois que ça va me faire me lancer dans mon projet de stream deck de raccourcis pour les logiciels de manière plus rapide que prévu. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Je pense qu'on est déjà très content. Enfin, moi, en tout cas, je suis très content du résultat et de ce qu'on peut faire avec, quand même. Quand même super, cette fonctionnalité. Donc, nous, ce qu'on voulait tester, quand même, c'était les possibilités autour de la configuration. Et on n'est pas déçus, honnêtement. Hein. Ça marche vraiment, vraiment super bien. Et puis en fait ce qui était bien c'était qu'on a pu travailler un tout petit peu plus sur FreeCAD, faire des trucs un peu plus compliqués et qu'au final encore une fois pas de plantage, ça a bien tourné, il y a encore des subtilités que je n'ai pas, mais honnêtement ça fonctionne super bien, donc la prochaine fois je rajouterai la plaque, puis on fera peut-être un petit assemblage avec ce truc là. C'est quand même pas mal, en tout cas. Bonne nuit, Ifrit. Oui, j'ai streamé avant gentiment, après mon travail. Ah bah écoute, va falloir qu'on discute. Va falloir qu'on discute. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Est-ce qu'on renverrait pas... attendez,
Twitch. Est-ce qu'on enverrait pas un petit raid? Salut Free de la Redo, vers un mec du Z-Event. Allez, à qui on envoie? Il y a le joueur du grenier qui est là, il y a Antoine Daniel, il y a Zerator, Squeezie. On peut envoyer un raid sur Squeezie. Ça serait rigolo, mais bon. Allez, qui? Fini dans 10 minutes. Eh ben, allez, c'est parti. On lance un raid pour 10 minutes. Un peu une ambiance. Allez, qui? Dites-moi, vite. Le premier qui lit. Salut, GG. Tu viens sur Among Us après? Ah, pourquoi pas? Acropolis. Alors, attendez, parce que Acropolis. Ah oui, mais attends, le live de la fin, c'est celui de Zerator. Eh ben, on balance sur Zerator, alors. Si y a lui en live à la fin. Allez, on va faire ça. Alors, comment? On sait un raid. Boum, spécial event. Vu qu'il ne reste plus que 10 minutes, ils ferment tous leur live dans 5 minutes, ça veut dire... Bah, allez, c'est parti. Hop, on lance. Allez, bonne soirée à tous et à tous, à bientôt, salut, bonne semaine, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.